Let's go. Wesh. Wesh. Attends. Wow. Ça fait... Wow. Alors, David. Ah, c'était la lune. Kurt, je veux que tu saches que tu es l'homme de ma vie. Voilà. Clairement. Ah, mais il est exceptionnel, ce mec. Il est exceptionnel. Alors, attends, on va rebaisser la musique. Et on va relancer la musique. C'est tellement drôle. Ah, vous entendez rien, là. Ah, je vous jure. The Apple. Salut, Julio. Ensuite. Weasel, trop bien. J'ai pas posté mon truc, d'ailleurs. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'il m'appelait. Hein. I'm gonna drive. I'm gonna need them. Na 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 na. On va aller poster l'article tout de suite. Oui. On se changera après. C'est parti. Oui. Oh là là. Mais quelle vitesse. Attention, 70. Ouloulou, 80. Ouah, 90. Ouais, 100. Oh là là, je crois que c'est la première fois qu'on était là aussi vite. C'est le bolide des enfers. Ouais. Elle est loin derrière, Reina. Ce qui est bien, c'est qu'on risque pas de m'arrêter pour excès de vitesse. Moi, j'aime trop. Tellement drôle. Vous pouvez poster un peu plus. Je suis fière de vous, je crois qu'avec vous. Salut Slay! Adoré la musique que tu m'as mis en dernier. Je l'ai mis en début de live d'ailleurs. On a démarré le stream avec ça. Bonjour, c'est Selena! Coucou, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Je suis désolée, hier je suis restée dedans la chambre, j'avais pris froid. Oh, tu vas mieux? Oui. Tu peux j'ai bu une tisane et ouais. Avec beaucoup de miel, beaucoup de citron et c'est bon. Ok, c'est parfait. Nice. Je vais poster du coup le... Ça, c'est l'article du la WWE. Ouais, tu peux, ouais. Ce soir, on peut se permettre de poster un peu plus parce que demain, je récupère la paye.
D'accord. Payer, parce que demain, ce sera votre premier salaire. Et je vous cache pas, vu le chiffre d'affaires déjà d'un seul article, je te cache pas que vous serez déjà tous payés. Ah, c'est super. Je vais essayer d'avoir les actionnaires ce soir pour qu'on puisse parler, pour voir si peut-être on peut éventuellement faire déjà une première prise ce soir. Mais il faut, je pense, parler paperasse avec eux. D'accord. Tu me dis hein, si t'as toujours besoin d'aide ou quoi, tu sais que non, je suis ça, là. Non, ça va, je gère. Okay. D'ailleurs, ce soir, faudra que je te voie. Normalement, j'ai ton contrat de travail ce soir. Faut que je l'aille récupérer. Donc, j'aurai le contrat de travail de tout le monde. Donc, je te ferai signer tout ça, patati, patatal, toute la clause. Trop bien. Tiens, parce que. Attends, c'est bien celui-là. Bon, ça, c'est mon collier. Hello. Et coucou. Bonjour. Ça va? Ça va avec toi? Oui, ça va, super. Hop, n'oublie pas, Tony, quand vous êtes en service, le badge. Je vous cache pas que ça va être dans votre clause de contrat, donc en fait... On peut avoir le badge tout le temps sur nous. Quand vous êtes je suis pas en service d'ailleurs, faut que je me mette en service. Voilà. Oh non, merde. Non. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? En bas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu. Quoi? Bah, vaut mieux que tu vois pas. T'as fait quoi? Putain, j'ai fait tomber ma carte. Attends, peut-être... Ah si, elle est là, elle est là. C'est bon, putain. Pardon, ouais, c'est... Ouais. De toute façon, si tout le monde vient ce là, ça serait cool, parce que comme ça, j'ai à vous parler de petits trucs qui va se passer pour demain, que j'aurai peut-être deux équipes demain. D'accord. C'est pour ça que je vais voir qui, là. Donc, là du mini... Je vais poster mon article en attendant. Vas-y, vas-y. Peut-être que vous deux qui viennent, donc on se voit. Faudra se couper en deux, je pense. Alors, entre toi, je pense, toi et moi. Je la connais pas, Tony, je crois. J'ai oublié. Contenu message. Des annonces flash. Les annonces. Ça n'est pas. Oh, t'es là, Bobby, tu m'entends quand même? Oui, oui. Okay. Demain, ça va être assez chargé. Donc, vous avez guère eu des annonces comme quoi la DOA faisait une convoi. Descente. C'est ça, descente ou un convoi, je sais plus. Où ça? Non, je crois que c'est un convoi. Je crois que c'est un convoi, tu m'as dit. C'est plus un convoi, ouais. Donc, si c'est un convoi, il faudra se couper. Donc, on a le droit d'aller avec la DOA, les convois, etc. Les CSP, on peut. Sauf qu'en même temps, nous avons une allocution du maire. Enfin, une conférence de presse demain à la mairie. Et je crois que moi, c'est à peu près à la même heure. C'est le maire déjà, donc je peux aller sur le convoi, s'il te plaît? Si tu veux, oui. Tu prendras quelqu'un avec toi pour ta sécurité, parce que tu seras en voiture. Faut que je contacte la DOA. Je dois prendre qui pour ma sécurité? Bah, moi, je veux bien venir avec toi. Si voilà, si tu veux y aller tous les deux, vous pouvez y aller. Attends, ça c'est qui? C'est Tony? Non, c'est Hope. Pardon, j'ai cru que t'appelais Tony. Non, pas du tout, t'inquiète pas. On se reconnaît pas, je crois. Oui, non, on n'a pas eu l'occasion, mais t'inquiète. D'accord, on fera présentation après alors. C'est la dernière que j'ai embauchée, j'avoue. C'est moi. C'est ça. Donc ça fait que demain, voilà, vous irez toutes les deux DOA. Faudra juste contacter la DOA. Donc je vais essayer de la contacter pour que dire j'ai une équipe. Association. À quelle heure? C'est à 23h, 23h30, je crois, si j'ai pas connu ce que j'ai vu. Attends, non, c'est ça, bah non, ça supprime. Donc bah, moi, j'irai faire la conférence de presse, il faudra que je vais filmer ça. Hier soir, vers 2h, 3h, bon, moi, je prenais la fin de service parce qu'on avait déjà fini. Il y a eu des explosions au sein du DOJ. Beaucoup d'explosions, au moins 5-6 explosions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je ne sais pas du tout, ça a pris feu, et sauf que le maire était dedans à l'intérieur, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Tout le monde a été sauvé, le seul pompier qui était là a sauvé tout le monde. Il faudra qu'ils aient une médaille, je vais les demander. Trop fort. Donc ça fait que tout le monde a été sauvé, mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi le DOJ a autant été... En plus, j'y étais genre quelques minutes avant, hein, pour le coup, j'y étais genre vers 1h30, un truc comme ça. Hein. Ah, je te jure, oui, bah, ça a explosé, ça n'a pas arrêté, c'était totalement en feu... toutes les voitures à côté prenaient explosé. Enfin, vraiment, c'était vraiment... voilà. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi attaquer DOJ? Donc, ça peut être une enquête, ça peut être sympa à essayer de voir. Oui, oui. Je crois qu'il y a un petit truc sur... Ah, pardon, excuse-moi, tu voulais parler? Non, 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 vas-y. Je crois qu'il y avait un petit truc... il y avait une petite faute sur ce que tu as écrit. Tu as écrit « Le maire était enfermé, l'intérieur ». Ah oui. Ah, faut que je recolle ça encore. J'ai pas vu, je t'avoue. Des fois, je fais des fautes comme ça. Là, j'ai mais j'ai pas réussi. Tout le monde, hein. Des fois, on est pressé aussi. Hein. Mais vaut mieux qu'on le voit entre nous plutôt que ce soit quelqu'un qui. C'est pour ça, Yuna, je dis. Comment écrit pas Alzheimer sans le H? Ah, tu sais qu'il m'en a voulu alors que c'est pas moi qui a perdu. Ah bon, il t'en a voulu à toi? Oh non!
Il a dit quand même, fais un effort, H. Oh, je suis désolée, parce que moi je l'ai appelé pour m'excuser tout de suite, oui. Et je lui ai dit, mais je suis vraiment désolée, votre ex-dame, elle m'a dit que j'avais fait des fautes, mais c'était déjà posté, et j'ai dit, on était très très mal à l'aise, il m'a dit, oh c'est pas grave, vous inquiétez pas. Voilà, c'est bon, voilà, ouais, il m'a dit, ah mais t'es journaliste, ils font des fautes à mon nom de famille, non, je suis, ah, c'est bon, t'arrêtes. Oh, je suis vraiment désolée, Selena. Et non, c'est pas grave, t'inquiète. Et puis, j'ai l'habitude qu'on me charisse, pour tout le monde. Ouais, mais bon, quand même. Mais pas, non, mais cool. je serais quand même contente de vous. De toute façon, je pense qu'on aura une réunion demain soir, pour le début de la première semaine. Parce que vraiment, pour la première semaine, je vous cache pas, regardez les articles qu'on a postés, on les a spammés tous les jours, quoi. Moi, j'en ai encore plein. Encore trois. De toute façon, là, ce soir, j'autorise à. Vous pouvez poster. J'ai pas fait maximum. Là aujourd'hui, j'ai pas pu. Moi, ouais, j'ai oublié. Là, je t'avoue, ça a été très compliqué pour moi, mais demain, je fais l'article sur le maire. Ça va être comme ton ex. Ça va être très long. T'inquiète. Et après, j'ai l'article sur le capitaine du Nord, monsieur Glenn Powell. Ouais, mais c'est ça, tu peux prendre ton temps, c'est pas gênant de tu peux, voilà. D'accord. J'aime bien parce que je fais des articles, tu sais, c'est un jour avec. Le titre. Comme mal. Ça, c'est un jour avec Alzheimer, un jour avec Flores, un jour avec Powell, etc., etc. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, je suis contente. Là, ce qu'il me faut, c'est... Là, je allez, pense qu'on va voir de... je pense que la réunion demain, on va le faire au parc. Un petit séance de yoga. Ça va nous canaliser. Oui, je sais, Oh là là, c'est vraiment la stéréotype de la meuf. Trop bien, j'ai jamais fait du yoga. Ah bah, let's go, allons-y, on fera ça demain. Faut faire une tenue. Bah, si tu veux faire une tenue, vas-y. Un truc un peu. De toute demain, je serai payée. Je vais essayer d'avoir la réunion des actionnaires ce soir, le plus possible. Avec avocat, etc. Et comme ça, je vais voir pour qu'on vous y déprime, même si c'est la première semaine. Bonsoir. Regardez le travail que vous avez fait. Je vous cache pas, un article que j'ai calculé, on a déjà 48 000, un seul article. Putain. Ça, après, je vais avoir les impôts qui vont me faire chier, mais... Mais bon. Bon. T'as vu, moi, je me suis acheté mon tout premier véhicule. Ouais, let's go, j'ai vu ça. C'est il cool. Est beau, hein. Pas là, mal, maintenant, mal, faut ouais. Que je le fasse débrider. On m'a dit que je pouvais. Ah, trop bien. Bon. Oui, parce que moi aussi, je suis une motarde comme Selena. Ah oui. Oui. Fais attention. Ah, oui. Hein, oui. Je crois que j'ai oublié. Alors, du coup, tu vois comment j'ai fait tomber ma carte d'identité? Oui. Non, ma carte bancaire, pardon. Oui. Tu vas me taper sur la joue. J'ai fait tomber mon gilet la dernière fois. J'ai pas pu le récupérer. Comment tu fais? Je sais pas, je suis nouvelle en ville, il faut pas m'en vouloir. Non, t'es cachée, rien. Je suis désolée. Parce que j'en avais acheté 4. T'es la fille de Biscuit Coty? Non, du tout. Ah, c'est pas. Attends, j'ai toujours pas vu. Si, je t'avoue, je l'ai pas vu non plus. J'ai même pas enregistré son numéro de téléphone, donc j'ai pas. Moi, j'ai pas son numéro non plus. Je connais bien son frère. Elle est pas... Par contre, si tu veux. Ouais. Ce serait cool parce que je l'ai pas vu venir du tout. Mais c'est qui, Biscotti? C'est un chanteur. Ok. David Biscotti, c'est un chanteur de guitariste et sa fille et son fils, ils sont venus avec lui, avec sa maman. Et la maman est trop gentille, c'est une mamie, elle a 80 ans. Ok, super. Ok. Bon, ben, j'ai hâte de le voir là. On a des appareils ou pas encore? Je vais dès que j'ai là, je pense que je vais faire. Si j'en achète un, je te fais une facture, c'est bon? Oh la regarde là. Vas-y, tiens, regarde, je suis gentille, je te donne le mien. C'est vrai? Voilà, on va vous en acheter un tous demain. Merci. Attends, on m'a dit, fais voir. Waouh. Waouh, le zoom. Oh, comment t'es trop belle, même de près. Tu vois ses pores. Ah ouais, tu vois mes pores bien et mes cris. De près, t'es trop belle. Oui, mais il y a des gens de près, ils sont moches. Oui, allô Mathias. Je suis trop contente. Il va aller prendre une carte. Ouais. Et toi, ça fait longtemps que tu travailles à Weasel? Non, ça fait que quelques jours là pour le coup. Et t'es arrivé quand? En ville, il y a 4 jours. Ah ouais, t'es quasiment arrivé en même temps que moi. Ah bah incroyable, super, ouais. Putain, je savais même pas, je pensais que t'étais là depuis beaucoup plus longtemps, tu non, vois. Non, ça va faire même pas une semaine. Ah bah incroyable, t'es exactement pareil que moi. Donne-moi ton numéro, comme ça oui. Je t'enregistre.
Comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Bobby. Bobby ? Oui, oui. Bobby, super. Attends. Partager. C'est quoi ton numéro ? C'est 2538 ? 2538, oui, c'est ça. Ah, super. Merci. Attends. 2538. T'as enregistré sous quoi ? Sous Hope. Attends, je te trouve pas. A, B, C, D, E, F, G, H, O. Bah, H-O. Ben oui, mais... Attends, tu peux refaire ? Attends, attends, je vais juste enregistrer le tien des... Oui. Qu'est-ce que tu me disais, père ? J'ai trouvé ta redire sur YouTube de Bobby, j'avais pas le choix de venir en travaillant de nuit, je me suis stop, okay, donc je... Ok, tac. Merci, merci beaucoup. Et au pire, je te donne le... je te donne directement juste mon numéro. Vas-y, pète. Normalement, ça marche, le airdrop, mais là, je sais pas. Ah, bah... mais non, je sais. C'est parce que j'étais en train de créer un contact. Vas-y, attends, hein, fais-le. Je te repartage. Oui. Tac. C'est bon, ça a fonctionné. Super. Ah oui, avant que je parte, moi, il faut que j'aille faire ma carte. Hop, oui, the news. Attends, faut faire une photo. Hop. Il est passé où? Hop! Non, t'es toujours pas là. Ah, t'es là-bas. T'es bon, je reconnais. Hop! Oh non. Hop! Hé! T'es où? Presse. Je suis là! En bas? Oui, oui. Attends. J'ai essayé de prendre un petit selfie pour la carte. Ah bah justement, je voulais faire un selfie de toi pour mon téléphone. Ah bah vas-y, pour pardon. Mes contacts. J'ai entendu crier hop. Désolée. Attends, oh, t'inquiète. Voilà, je vais zoomer. Il faudrait que je fasse la même chose, moi, des fois, je te jure, je me rappelle plus. Bah ouais, c'est pour ça. Oh, t'es belle. Oh merci, arrête, oh, toi aussi non, t'es magnifique. Vrai, t'es dur. Regarde, attends, ah, tu peux répondre. Oui, allô, vous êtes news, bonsoir. Attends, je t'envoie la photo, comme ça tu l'auras. Vas-y, oui, bonsoir, Fanon. Oui, dis-moi. Alors, d'abord ça, et ensuite la photo. Regarde. Merci. En plus, t'as la tête un peu penchée sur le côté et tout. Ah ouais, c'est clair, putain, j'adore, trop belle la photo. Sérieux, t'as vu? Oh ah, putain, trop... j'aurais trop kiffé la mettre dans la carte. Bah, non, refais-la. Tu t'en fiches? Ben oui! Bah attends, il faut demander à Selena quand même, non? Mais sinon, non, tu jettes l'autre et tu refais! Allez, vas-y, tac! C'est bon, il y a une photo autocopieuse, c'est pas pour rien, hein. Utilise-la! Oh merci, putain, elle est trop bien! Ouais, non, non. Ah, si contente! Attends, c'est où déjà qu'on fait la carte? En haut, viens, je te montre! Vas-y! Ah oui, c'est... ok, c'est bon, merci! T'es là, et après tu tournes sur la gauche et c'est en face, voilà! Ah, merci beaucoup! À tout à l'heure! À tout de suite! Attends, avant de partir! Oui, dis-moi! T'as quelque chose à faire ou pas? Je vais aller m'acheter des vêtements. Bah tu veux que je vienne avec toi? Bah vas-y, fais ta carte d'abord alors, attends, viens. Vas-y. T'inquiète, je t'attends, moi je fais le tri dans mes contacts. Vas-y, est-ce que t'es chaud de faire un petit... Enfin, une vidéo, genre des interviews, des micro-trottoirs ou des trucs comme ça, t'es chaud ou pas? Oui, moi ça me plairait de dingue. Genre je te filme et tout et je fais le montage. C'est vrai? Bah ouais. Oh, moi, je suis devant la caméra, mais c'est toi, tu dois être devant. Non. Ah, c'est toi qui filmes d'habitude? Non. Bah, moi, je te filme. Rien, moi, je fais que les articles papier. Bah, non, je te filme, c'est l'occasion que les gens te voient et tout. Bah, c'est gentil. C'est tout, les filles. On est dans le bureau. bureau, la carte. On est là-haut. On est en train de faire des bêtises, c'est ça? Non, on fait pas les bêtises. Ah, c'est ça, j'en suis sûre que si. Regarde, des bêtises au bureau. C'est... Non, c'est Patron, pas vrai. Tu veux que je poste à quelle heure mon c'est article? C'est pas ce que vous croyez. Alors, comme tu veux, ce... Non, c'est pas Lovana, c'est Chili. C'est qui? C'est Lovana? Non, c'est Lovana, ouais. Ah, j'ai réussi du premier. Hello. Alors, ce soir, comme j'ai dit, j'autorise à spammer. Okay, si vous avez okay. Des articles, les articles qu'on a, que j'ai validés, là, vous pouvez les mettre ce soir. Comme tu vois, par exemple, hop, on a déjà deux qu'elle devait poster. Elle peut en poster un. Elle peut en garder un pour limite pour demain ou lundi. Okay. Au moins, ce soir, on peut poster chacun notre article. Au moins je posterai un petit peu plus tard dans la journée. C'est ça, comme Bobby vient de poster le sien. Ouais, là tu peux poster dans une heure, tu vois, pour pas trop l'afflux. Oui, c'est pour mais ça. On peut, voilà, toutes les heures on peut poster. Comme je dis, demain c'est la paye, donc si on peut avoir encore en plus ce soir, la trésor, c'est là.
C'est ça, jusqu'à demain. Ok. On me donne plus. Bouge pas, les gens. Féléna. Oui. Attends, attends. Parfait. Je vais faire une pause. Lovana, arrête, tu me regardes, s'il te plaît. Ouais. Waouh. Comme ça, moi. Attends. Moi, comme ça. Hein. Vas-y, je te prends. Parfait. Et l'autre? Attends, je te reprends. Vas-y, prends-moi, Bobby. Voilà, c'est bon, je te prends, je te prends. Et qui est bien, vous allez où? C'est un possible woman. On va faire un article sur nous-mêmes. Merci. Vas-y, on fait un article sur nous-mêmes. Louisel News. Les femmes du Whittle. Une entreprise féminine. Exactement. Full féminine. Force à vous, les mannes. Lovana, je crois que j'ai pas tout ton numéro aussi. Ouais, moi non plus. Nous, on fait pas comme la mairie. Juste le maire et que des femmes. C'est quoi ton numéro? Nous, c'est que des femmes. Moi, c'est 96-45. 80... Mais pourquoi j'arrive pas à récupérer le lien de la photo? Ouais, et t'as toi, c'est lequel pris le 4 box? T'as pris 4 box? Hein? T'as pris 4 box? 4 box parce que Ingur, ça marche plus. Oh, tu l'as le lien. Alors là, vous m'avez sorti. Attends, je vais te remettre le lien dans Utile, si tu veux. T'as marché ou pas? Non. Oui, ça a marché. Les photos de... Mais c'est quoi? Attends, je te reprends en photo? Oui, si tu te reprends en photo. Pose pas. Ah ouais, t'es trop belle. Pas vu. Ah ouais. Non, franchement, personne n'y est arrivé à la cheville. Voilà. Là. Tu veux que je t'envoie les photos? Ouais, vas-y, vas-y, montre. Allez. Waouh. Alors, Lovana. Ouais, c'est moi. La plus belle. Tu l'as mis dans le lien utile. Dans le lien utile, tu l'as. Ok, c'est toi. Alors. Tiens. Merci. Rien. Pourquoi j'ai cette musique qui tourne dans mon écouteur là? Ah! Merde, ça a posté deux fois ma photo. Waouh! T'es belle, hein? Ah, ça fout, je suis pas mal, pas mal. T'as vu? Non, il prie pas. Let's go. Voilà. Bah, la dernière, elle est pas super bien cadrée, mais ça peut toujours être utile. T'inquiète. Quand vous mettez la photo pour la création de la carte, là, la carte oui. de presse, oui. et que j'essaye de mettre un URL, ça marche pas. Il faut que je le prenne où? Même en faisant copier-coller? Ah, je sais pas, moi j'ai pris la photo directement. Bon, bah, que je vais prendre la photo. Hein. Attends, je la veux de face. Voilà! Vous êtes toutes dans mon petit téléphone. Merci pour tous les follows! Ouais. Donc, bah demain, vous deux, vous allez à truc de DOA. Lovana, tu joyeux anniversaire, mon cœur. Tu voudrais venir à la conférence de presse avec moi? Ouais, c'est une conférence de presse de quoi? Du maire. T'as arrêté? Ouais, je viendrai. Ouais, bah du coup, je vais. Moi, je vais filmer. Ah, mais t'as plein de temps, 23h, 23h30. Je vais faire des annonces tout à l'heure. Bah, attends, okay. BT. Après, je crois qu'il faut quand même aller au convoi du SASP Nord. Ah oui, le truc de la DOA? T'as pas arrêté avec 4 balles? Le truc de la DOA, je sais pas. Je sais pas comment on fait. Elle a marqué hier dans le groupe. Ouais, est-ce qu'elle a marqué? Ok. Hop, ton nom de famille, c'est quoi? Walker. Ça. Et les filles vont aller au truc de la DOA. V-A-L-K-E-R. Okay. Laisse-moi deux secondes. Je sors du espace. Non, je serai avec eux sur le convoi de dimanche soir à 22h30. Elle a marqué. Ok. Parce que moi, je vais essayer de vous dispatcher un peu aussi, mais au bout d'un moment, quoi. Ouais. Je sais pas ce que vous faites, hein, des moments. J'ai pas de nouvelles, je sais pas. Imagine, vous êtes kidnappé. Alors, je t'avoue, hier, j'ai pas fait grand chose. T'inquiète. Il fasse des photos pour les photos de faire part de mon mariage. Oh, félicitations. Merci. Après, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps en service, hein. Ça vous inquiétez pas. Oui, c'est pour ça. Après, même si des fois je suis pas en service sur la centrale, bah, je suis là, quoi. Tu peux m'appeler et tout, il n'y a pas de souci. Mais profitez, vous avez droit à des jours de repos. Je vous dis là, vous avez très bien travaillé cette semaine, mais pas de relâchement, sinon, gare à vos fesses. je trouve que je suis contente, je suis trop fière, là. C'est trop dynamique, la plein de choses. Ça commence mal, il faut se mettre en place. T'as envoyé un mail? Surtout quand tu vois en fait que bah on est revenu, on est plus actif qu'avant en fait que les anciens joueurs Weasel.
T'es fou, oui, hein. Il y a tout plein d'articles qu'on a sortis cette semaine, en tout cas. Alors que quand tu regardes l'ancien Weasel, t'avais allé peut-être un article par semaine de ça, en fait. Alors que... Enfin, j'avais après, c'est dommage parce que les gens, ils ne lisent pas. Ouais, moi, c'est pour ça que je suis pour le concept aussi de la photo avec une phrase simple sur certains articles. Oui. Elle est où, ma bébé? Elle est là? Elle est là? Elle est là ou pas, Thora? Elle s'est barrée? Elle est là. Joyeux anniversaire, mon cœur, de nouveau. Ça va, mon bébé? Alors, je te cache pas que... C'est pas que ça va poser souci. Tu peux faire. C'est pas dérangeant. Je demanderai juste au maire de valider après, mais c'est pas enfin, dérangeant de faire ça. Enquête, mais je veux interroger le patron pour lui demander ce qu'il pense. C'est ça. Et tu peux... Eux, comment ils l'ont vécu et tout. Et les... Tu peux, c'est pas gênant. Oui. Tu peux, ouais. C'est super ça. Je le cache pas, mon avis de moi, bah, j'ai tout fait pour avoir des actions. pour me sauver. MDR, me tue. Par exemple, bah, alors attendez, on va remonter le son de la musique. Du coup, on est resté toutes ses actions et du coup, elle a dit qu'elle avait déposé un dossier pour récupérer une autre boîte et ses actionnaires, par exemple, là, ils sont en train de revendre ses parts. Parce qu'ils ont dit, oui, si tu t'en vas, on veut plus des actions et t'as qu'à nous les racheter. Il va me chanter toutes les chansons de la Terre. Ça fait des ouais, bah après c'est normal si elle veut changer d'entreprise. En fait, elle aurait dû attendre pour faire ça. Mais non, il est pas. Même tu vois, tu il en fait en plus stéréo. Tu demandes juste un déménagement et ça c'est cool. Ah oh, regarde, ça m'a fait. Oui. Bigger. Je suis trop contente. Ah, ça c'est trop bien. Elle est trop belle. Let's go. Merci. Je vais lui dire. Kurt, quand tu m'envoies un message audio, t'es pas en stéréo, c'est trop bizarre. T'es juste du côté gauche. Ça fait bizarre. Voilà. Bisous. J'avais une question. Vous savez comment on détruit quelque chose? Dans alors, la si poubelle. J'ai des... Non, non, pas dans la je poubelle. Brûle. Ouais, tu brûles. Tu okay. Jettes chez toi, tu jettes chez toi. Alors comment détruire poubelle. Qu'est-ce que tu veux détruire quelque okay. chose? Ça veut dire des gens, on a plein de choses que tu veux détruire. Ça, genre des tenues, des trucs comme ça qui me vont le mieux plus, pour faire disparaître un corps, c'est un cochon. En vrai, là, c'est vrai que c'est pas con. Confidentiel, tu mets dans des poubelles communes. Et si c'est confidentiel, okay. Le mieux, tu... Ouais, tu jettes chez toi dans un coin. Dans alors, même okay. Le meilleur, c'est, oui. C'est vraiment les concitoyens. Tu dis, arrête-toi, je veux juste ouvrir ton coffre deux secondes. Tu poses c'est vrai aussi. Et puis, j'avoue. Ah, c'est pas bête. C'est... Parce qu'eux, après, ils rentrent chez eux, ils font leur vie, donc ils font pas attention à ce qu'il y a dans leur coffre, et puis ils jettent. C'est clair. J'avais jamais pensé à ça, dit. Eh, ouais. Oh, t'enlèves des preuves en deux secondes. Bah, franchement, je pense que je vais opter surtout sur ça, en vrai. Ah, c'est j'arrive pas à remettre le son. Bon, moi, je vais appeler dites-moi l'avocat. Pour aujourd'hui, est-ce que vous voulez faire un truc, enfin, il y a quelque chose de prévu ou pas? Alors, ce soir, non, j'ai pas rien de prévu ce soir. Je sais pas, je me disais peut-être faire un micro-trottoir ou un truc comme ça. Oui, bah oui, le micro-trottoir, ça fait deux jours que je le fais, c'est ce que je dois le faire, oui. Tout à fait. Bah, si tu veux, on peut le faire, moi et, mais... et Bobby. Et moi, je voulais le faire, et moi aussi, je voulais participer. Ah bah oui, bah je sais pas si t'avais quelque chose bon à faire. C'était bon, Dédé. Ok, c'est bon, la panne. La pauvre. Non, allez, faites-le si vous voulez, je participe au chant, sinon j'ai des contrats de travail. Non, je pensais que t'avais des trucs à faire, en fait. Non, mais elle a 36 trucs à faire. Alors, je dois aller chercher vos contrats de travail. Après, une fois que tout ça sera fait, et ben tu seras tranquille et tu pourras enfin t'amuser. Je vais aller chercher vos contrats de travail, après je vais courir après pour vous signer les contrats de travail, il faut que je vois pour les moi autres les actionnaires. Moi j'attends ton salaire, oui. Allez, bah t'es marre. Je suis morte. T'as passe un combien. Article pour un patronariat, vas-y. T'es pas drôle hein, pour d'être patron. Bon ben nous on va aller faire une tenue. Allez. À tout à l'heure. Pas de bêtises. Non. On prend la voiture du Weasel, on peut? Oui, vous pouvez. Oui. D'accord. Giovanna, faut que tu signes ton contrat de travail d'ailleurs, viens avec moi. Hop. Ouais. Je reviens, on se retrouve de l'autre côté là où tu vois où il y a les voitures. Ouais. Bon, et ben on se retrouve là-bas, j'arrive. Je vais poser mon pétrolette. Salut Cucu, il y a Golida aussi, comment ça va? Thank you.
Merci. De rien. Tu veux alors, il faut... Bah écoute, déjà, il faut réfléchir à... qu'est-ce qu'on va poser comme question en micro-trottoir? Faut qu'on pose une question un peu, tu vois, intéressante, mais pas trop... Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi les news d'aujourd'hui, là, qui ont été postées? Je sais pas. Bah en fait, je pense que le problème avec... Enfin, à poser des questions sur les news, c'est que les gens sont pas spécialement au courant, tu vois. Oui. Alors que si on pose une question un peu aléatoire, bah tu vois, chacun peut avoir son avis, tu vois. Du coup, on pourrait te demander... Bah, moi je sais, en ce moment, il y a une arnaque au ticket de réduction. De quoi ? Il y a une arnaque au ticket de réduction. C'est les White Tees, ils font des faux tickets de réduction et du coup ils disent qu'il y a de la réduction mais il n'y en a pas. Salut, ça va nous foutre dans la merde, non ? Tu crois ? Bah ouais, je pense, hein. Ah, bon, bah pas ça alors. Bah ouais, mais tu sais, je pensais vraiment un truc grave aléatoire, genre du style, attends, laisse-moi vas-y, réfléchir. Vas-y, répète, tu m'amènes à la boutique ? Ah mais oui, putain, pfff. J'avais oublié. Bien sûr. Un truc du style... Bonjour Bobby, comment tu vas ? Ah désolé, putain, pour c'est quoi ? Je vais y réfléchir, aussi. Attends. T'inquiète. On le fait formaté là, on est bien d'accord. Oui. Okay. Elle est où la boutique là, enfin, à côté du Weasel, il y en a une là. Ah bon? Tu poses une question? Je sais pas, moi, non. Moi d'habitude, je vais sur Vinewood. Okay. Tu vois où elle est? Pas du tout, tu peux me mettre un point? Oui. Attends. Alors. Ça va et toi? Ça va! T'as dedans que l'airbag il s'enclenche, hein? Putain, gros! Comment t'as fait pour aller de l'autre côté? J'étais sur GPA, j'ai pas vu! Non, parce qu'il y a une voiture qui a pilé devant moi! Ah! Et ben! Saloperie! Fou, hein. Bah ouais! Hein. Normalement, pas c'est ici. Dans cette rue, mais je sais pas exactement où! Ok, non, mais c'est bon, je vois à peu près. Je vois à peu près le okay. Magasin. Moi, ah voilà, en fait, c'est exactement là où t'as mis le point. Moi, je suis trop morte. Attends, faut que je finisse vas-y. D'écrire. J'arrive, deux secondes, je finis d'écrire un message. Je te retrouve à l'intérieur. D'accord. Oui, si au bout. Oui, proposez des questions. Moi, j'ai besoin là. J'ai pas d'idée, donc allez-y. Faites-vous plaisir. Vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Suburban. Vous allez, ça va et vous ? Oui. Elle est à toi la moto ? Oui, bien sûr. Je travaille ici. C'est un objet de déco ? Exactement. Wow. Vous voulez un café également aussi ou pas ? Non, ça va. Je vais aller essayer des vêtements, je peux ? Faites donc, oui, bien sûr. Merci. Je vous le pose à côté, madame. Je vous le pose à côté. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Prenez votre. Ma bibiche, est-ce que tu peux te décaler un ah, petit moi, peu je suis devant toi ? Ah, voilà, merci beaucoup. Non, mais t'inquiète, c'est moi. Et hop, tout à poil. Alors, vite, hein.
Parce que je veux pas faire ton plus trop long. Oh là là. Je mets celle-là avec la veste rose clair. Ah non, la bleue. La bleue avec la veste rose clair. Les chaussures. J'espère que c'est pas trop fort pour vous. La même musique. Ça va, ça va. Bah oui. Non, ça va. Ok, cool. Merci. De rien. Ça fait trop ça. Elles sont mes chaussures que j'adore. Faut que j'arrive à... Elles sont vraiment pas belles. Il faut que je note, hein. Bon, ça fait trop long. C'est celle-là. Oh, ouais, elles sont trop bien. C'est combien? C'est 192. Bon, je les retrouve assez facilement d'habitude, donc... 243. 243. C'est pas 243? Je ne sais plus. Si, c'est 243. Ah, oh, j'ai retenu par cœur. Coucou Jojo. Ah, oh, Ethan, ça va mon cœur? Moi, oh, je suis trop... je te jure. Mon petit cœur. J'ai trop hâte de faire ton article. Normalement, il sort demain, le tien. Parce que j'ai pris un jour de repos hier. C'est quoi, ça? Hein, non, ça va pas. Le tien, il sort demain. J'ai trop hâte. On va l'appeler Quotidien 5. Créer. Compte. 14.08. On va chercher la veste. C'est sac. Pas celle-là. Bleu ou rose? Bleu, non? Ouais, bleu, non? Profite des boives ce soir. Mais oui, j'ai cru comprendre que t'étais dans une explosion. Bleu, ok. T'as raison, profite. Clairement, on va mettre le rose. J'ai plus d'espèces sur moi. Merde, j'ai plus d'espèces. Ah oui, j'ai donné mes derniers dollars à quelqu'un. Looking at me and looking at you, not only an espresso. C'est bon pour moi! Je suis née dans deux secondes! T'inquiète, te presse pas, je comprends ce que c'est, hein. Y a tellement de vêtements! C'est clair, putain! En plus, tu sais quoi, c'est quoi mon problème? C'est que je me mets toujours en noir! Bah, si t'aimes bien le noir, c'est bien! Ouais, mais bon, tu vois, j'aimerais changer quoi! Bon, vas-y, je vais pas sur ça. Je vais appeler un copain, je reviens! Au revoir, monsieur! Oui, je reviendrai parce que c'est pas trop cher. Oui, on est bien placé, ouais, j'avoue. Ouais, merci. Ciao. Faut que tu te changes. Je préfère ça. Hein? Mais t'as un t-shirt blanc de dessous de ta tenue. Ah bon? Ouais, c'est un peu bizarre. Là? Attends, je t'explique. Regarde, non. Remets ton tenue. Ah bah non, bah ça va. Attends, c'était laquelle? Pas celle-là? Non, c'était pas celle-là. C'était laquelle que t'avais fait? Attends. Non, c'est pas celle-là.
Merci, c'est bon, Jojo. Merci, mon amour. Non. Du tout. Bizarre, putain, je viens de l'avoir. Non. 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 Plus. Non. Ah, trop bizarre. Bah, je l'ai plus. T'étais sûre? Bah, j'ai que celle-là, j'arrive pas à la trouver. Ah, attends, excuse-moi. Oui, ça va? Ça va et toi? Ça va. Mais tu fais une nouvelle copine. Ah, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Hope. Hope? Oui. Comme les petits lapins. Hop, hop, hop. Ok. On va faire des micro-trottoirs. Des micro-trottoirs, ok. Oui. On va interroger les gens et on va les filmer. Ok. Oh, pas bête, en vrai. Ça va, toi? Ouais, bah ouais, écoute, hein. La petite routine. Tu travailles? Ouais, je prends un service, là. Ce soir, je crois... Attends, hop, c'est ce soir le convoi? Ou c'est demain? Non, c'est demain. Ah, demain, il y a un convoi. Ah bon? C'est un convoi de quoi, hop, déjà? De la DOA. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus. DOA. Ok. Ça te parle, t'es au courant? Peut-être. Ah, chantez maman le cœur. Pardon, oui, bonsoir. Du coup, moi je vais couvrir l'événement. Ok, mais il faudrait faire attention quand même, parce que en général, dans les otages, dans les convois, les voitures Weasel sont ciblées pour être pris en otage. Non! Si, si. Oh ouais, vas-y, vas-y, sûr. Ben, du coup, moi je vais mettre mon gilet, parce que j'ai un gilet pare-balles. Oui. Ouais. Et du coup, on y va toutes les deux avec Hope. Ok. Ouais, faudra juste que vous fassiez attention, du coup. D'accord. Bon, on se tient au courant? Ouais, pas de soucis. D'accord. À plus tard. Vas-y, à plus tard, Bobby. Bisous. Bisous. T'es bon? Bah écoute, c'est trop bizarre, j'arrive pas à la retrouver. Mais t'en as combien? Tout ce que j'ai, là. Désolée, c'est que j'aime bien... Ah, t'aimes bien les vêtements? J'aime bien me changer. T'as raison. Ah, le lobe, c'est en avant. Ouais, voilà, il faut... Bon, écoute, je vais partir sur ça, on va laisser ça, hein. Mais ce que... Je mets mon truc Weasel, là. Bah, en fait, le problème, c'est que je me... Enfin... En fait, tu vois, je mets une petite étiquette dessus, tu vois, avec le nom pour le retrouver, sauf qu'en fait, c'est mélangé. Genre, si je prends une étiquette, bah, en fait, c'est pas du tout cette étiquette-là, tu vois. Ah, ça, c'est bizarre, ouais. Bah, ouais. Trop bizarre. Il est où, le truc Weasel? Elle est sûrement dans une de tes tenues. Bon, écoute, on va partir sur ça. Ah, nique. Non, mais t'as... De ton quoi? Ton étiquette Weasel, elle est dans une de tes tenues, ça, c'est sûr. C'est sûr, ok. Donc, change-toi, mais t'inquiète, y'a rien qui presse. Change-toi jusqu'à ce que tu la trouves, tu l'enlèves de ta tenue. Bah vas-y, au pire, conduis, et puis je vais le faire dans la voiture. Mais tu pourras pas voir. Si? Attends. Ah merde, en fait on l'ouvre et on la ferme en même temps, je crois. Ah bon? Attends. Pas touche pas. Dis, je touche pas. Voilà. T'es bon? C'est bon. On va aller la faire réparer. Vas-y. Merci mes amours. Merci Léo. Alors du coup, tac tac tac. Attends, il faut que j'envoie un message à la haute école. La protection du SASP au niveau des gants. Ouais, on peut. Mais je pense qu'elle veut faire des choses plus légères, elle. Sont ouverts au moins? Ah oui. Il est bien comme ça. Ok. Bonjour. Du coup, tu... Bonsoir. Elle est trop belle là maintenant. Tu veux... Je peux changer toute la carrosserie. Bah là, le rouge, on change là. Il est trop foncé le rouge là. Bonjour. Ça va? Oh, c'est Bobby. Billy. Bobby.
Bob l'éponge. Oui, oui, Bob. Bobby. Bobby. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Vous faites quoi? Je custom ma caisse, ma lowrider. Ouais, c'est la mienne. That's mine. Elle est lourde, elle est 4 places. Je pourrais faire un tour dedans. C'est conduire? Non, mais on peut passagère. Ah, bah bien sûr, bah après on peut aller sur un parking. Ouais. Et jump, elle est lourde. Celle-là ou pas? Bah, sans blague, tu penses vraiment que je vais prendre une auto qui jump pas, genre? Ah. Elle est trop belle. C'est comme les voitures dans les clips de rap. Ouais, bah, c'est exactement ça. Attends, mais moi, ouais. Attends, soit la bosse, soit les trous. Je mets laquelle? Bobby, aide-moi. Bah, moi, je pense que les trous, ça passe bien avec le sticker, ça. Oui, soit je mets ça, soit la bosse. Non, il a raison, les trous ça passe mieux avec le stickers. Ok, et remets les couleurs un peu. Il me faut une couleur rouge, mais je sais pas laquelle. Rouge, il faut du rouge comme ton pantalon, hein. Ça c'est comme bordant, ça. C'est bien, non? Non, ça c'est un peu rouge moche. Non, ça c'est rouge pas rouge beau. Rouge comme ça? Non, c'est pas rouge. Tu dis rouge comment? Ah, non, pas comme ça. Ah, pas trop clair. Comme ton pantalon. T'as pas un rouge rouge mais foncé? Genre bordeaux? Genre celui-là, mais voilà, oui. Attends, reviens en arrière. Ah. Ça, non, t'aimes pas ça? Oui. Non, ah, pas attends, ça. Non, ça c'est orange, ça c'est pas ça. Ça c'est orange, juste avant. Mais ça, tout est en fait, de ça, devant ça paraît une autre couleur, je crois. Mais sur les côtés, faut non, vous avez pas un accroche? Non, vous avez même pas un accroche. Bah celui-là, il est pas mal, hein? Oh, attends, bah ouf! Mais non, attends. Matt, attends. Matt, c'est pas beau, oui, non. Faut remettre un. Cette couleur, mais en normal, en qui brille. Oui. C'est ça. Mais ça, c'est bien, ça. Ça, c'est en mat et ça, c'est en brillant. C'est nul, mais. Ensuite... T'en penses quoi? Moi, j'aime bien, hein. C'est la couleur que j'avais de base. Ah bon? Non. De base, elle était plus rouge. Pas, hein. De base, ça et ça. Ok, remets alors. Oui, mais c'est plus joli foncé. Ouais, foncé, c'est mieux, hein. Comme ça? Oui. Ouais. Tu veux changer l'intérieur ou pas, du coup? En vrai, ouais, je vais changer l'intérieur aussi. Tu veux enlever le zèbre? Bah, je sais pas, y'a deux trucs aussi. Tu veux quoi comme couleur à l'intérieur? Ouf. Y'a tellement de choses à faire, ouah. Ah, pardon, faut y aller, le travail m'appelle. Vas-y. Si on devait faire un micro-trottoir, vous aimeriez bien interroger sur quoi? Sur quoi? Ouais, c'est quoi la tendance en ce moment? La tendance en ce moment? Oh, ouais. Si tu veux du buzz. Oui. La question c'est. Pour toi, quel quartier devrait être viré par la mairie? Oh wow, ça, c'est une question qui va faire du bruit, ça. Ah ouais, ça va faire du bruit. Oui, oui. Oh là, ça va même faire du bruit entre des eux. J'ai pas problème, moi. Bah non, c'est juste une simple question que tu vas, okay. Tu vas aller voir. Salut, j'ai une question pour vous, et bam. Je leur fais pas la tendance, give me my money. Si, non, non. Si, ils vont tomber dans le piège, 100%. Ah. Bon, allez, à tout à l'heure. Vas-y, ciao. Ciao. Elle est partie sans moi? Hop! Ah non, il est là. T'es bon? Oui! Désolée. T'as trouvé ta carte ou pas? Non! Mais c'est pas grave. Tu veux que je conduis? Ouais, je conduis en fait. Non, je me faufile, là. Hein. Alors, voilà. Merci. En fait, j'étais plus en train de chercher un sujet de micro-trottoir, plus que tu veux, je vais pas t'en dire. Bah, là, j'étais en train de parler avec mon copain, là. Il me disait, si tu veux un scoop question qui fait le buzz, il m'a dit, il faut que tu demandes quel quartier devrait être viré par la mairie. Oh! Aïe, ça, alors, ce serait incroyable, j'avoue, putain. On fait ça? Mais de ouf! Allez, let's go! On est toute partie. Je pense qu'il faut qu'on interroge les quartiers sud. Bah, en fait, je pense qu'il faut interroger tous les quartiers. Oui. On va essayer. Bah, vas-y, je te suis, ma biche. Faut que je trouve mon micro dans le coffre après, on est bon. Moi, j'ai la caméra avec moi, je l'ai prise. Ouais, d'accord. Oh là là! Ah, je suis trop contente. Alors, attends deux secondes, je regarde juste mon téléphone deux secondes et je suis à toi. Fais, t'inquiète. La voiture de Mac, de ouf.
qu'on trouve des gens, ça va être compliqué, hein. Pardon. Line for blues. Ok, c'est bon, je suis à toi. Vas-y. Ok. Tu penses qu'il faut poster un truc sur Twitter ou... Pour poser des questions, genre pour les... Non, mais en mode, tu sais, de donner rendez-vous aux gens quelque part. Non, quoique, on va les non, voir. Non, je pense que c'est mieux qu'il faut qu'on les voit directement, mais ça va être compliqué. Parce qu'il est tôt. Il est tôt, tu penses? Bah, il... Moi, je pense qu'ils... Là, ils sont... Ils font leur truc à eux. Mais il y a moyen, on trouve. Attends, on peut essayer, vas-y. Bah, franchement, c'est... Je te suis. Ok, là, il y a les White Tees par là. Faut qu'on cherche. Il y en a un, Mirror Park, non? Enfin, Colina, je crois. Oui? Ouais, non, en fait, je connais pas beaucoup. En fait, je vais pas te mentir, je connais pas beaucoup. Attends, bah, bah. Si tu vois des gens, tu me dis, hein. Ok. Et du coup, t'as quel âge, Hope? J'ai 24 ans, et toi? On est pas loin. Moi, j'ai 22, j'adore. Et bientôt 23. Trop bien, c'est quand ton anniversaire? Le 11... 10 novembre. Pardon. Le 10 novembre? Oui. Le 10 ou le 11? 10, parce que ça fait 10, 11. Ah, ok, ouais, j'avoue. Oh, j'avoue, putain, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est chouette comme ça. Moi, je m'en rappelle, c'est un moyen mnémotechnique. C'est soit le 10, soit le 11, en fait. Oui. Ah, bah tiens, regarde. Ah, bah vas-y. Ah. Bonjour. Bonjour. Ouais, yo, big up. Yo, big. Y'a quelqu'un? Attends, je vais garer la voiture. Ouais, il se passe quoi, yo? On voudrait faire un micro-trottoir et on aimerait interroger des gens. S'il y en a qui sont intéressés, bien évidemment. C'est quoi le sujet, yo? C'est quel quartier devrait être viré par la mairie? Viré par la mairie? Ouais. Ouais. Pourquoi viré par la mairie, yo? Bah, pourquoi pas? En fait, c'est plus un micro-trottoir pour avoir yo, un peu Gire, la visée. Yo, viens voir, yo, je comprends pas, yo. Ouais. Réexpliquez-moi. Oui, parce que c'est en gros... Attendez, je vais attendre monsieur. Attends, yo, big up. Ça. Bonjour. Du coup, ouais, je vais juste... Ouais, gang shit, gang shit. Je vais juste vous expliquer rapidement un peu le principe parce que je pense que monsieur n'a pas très bien compris. Gang shit. Ouais. Shit. J'adore. Vous le ferez après quand on filmera si vous voulez. Yeah, carrément. C'est clair. Du coup, en fait, le on va vous poser une question. En fait, on fait un micro-trottoir. Et ouais. La question, c'est pour vous, quel quartier devrait être viré par la mairie? En fait, c'est juste le but de. D'avoir un peu l'avis des gens, un peu, voilà, faire... Ouais, je pense ça, on a tous la même réponse, hein, Mini. Yo, les 9-4 Blues. Bah, ouais, attendez, il faut que je filme, par contre. Attends, je me montre entre vous deux. Attends, je peux, là pas trop près, quand même. Recule, yo. Recule. Comme ça? Ok, là, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon, là? Ok. Ouais, c'est bon, ouais. Je peux avoir, comment que vous dites, vos blazes? Ok, moi, c'est Cypher. Cypher, et toi c'est quoi? Yo, moi c'est Mini. Mini? Mini, yo. Wouah! Moi c'est ouais. Bobby! Ouais, ok, ouais, Bobby, yo. Gang shit. Ça fait le visage là. Ouais, pardon. Tu me dis quand on est bon? Alors, tac. Allez, vas-y. Ok. On fait quoi comme intro? On fait genre micro-trottoir with the news? Non, tu poses la question direct parce que normalement c'est un micro. Pourquoi elle est en panique, la cousine, yo? Parce que d'accord. C'est la première fois qu'on elle a peur fait. Qu'on l'agresse, c'est ça? Qui? Bah non, moi c'est la première fois qu'on le fait. Non. Ouais, vous, ouais. Bah non. Ah, c'est dangereux, attention, hein. Dangereux, ouais, les rues. C'est dangereux, yo, c'est gang shit. Yeah. Ça peut vite partir en couille, hein, je vous le dis ici. Non, carrément. T'inquiète. Non, tu sais, tu commences en disant bonsoir, messieurs. Ouais. Je vais vous poser une petite question. Ouais. Et après, tu enchaînes, voilà. Ok, c'est parti. Bonsoir, messieurs. Je vais vous poser une petite question. Pour vous, quel quartier devrait être viré par la mairie? Attends, excuse-moi, je suis désolée. Yo, il y avait même pas d'intro, yo. Non, il y a même pas, présentez-vous, je sais pas, merde. Mais attends. Non, un micro-trottoir, normalement, on demande pas à la personne. Yo, Hermione. Ouais, mais normalement, ça se fait en impro, micro-trottoir. Là, c'est pas un pro du tout. Yo, écoute, Hermione, tu veux un joint, un truc pour te détendre, yo? Non, je prends pas d'alcool. Yo, crois-moi, ça glisserait mieux, yo. Ouais. Non. Yo, vas-y, refais détente. Ouais.
ouais. Juste Bobby, tourne pas le doigt à la caméra. Ah pardon, d'accord. Je peux me mettre entre vous deux? Ouais, ouais, pas trop près, pas trop près, pas trop près quand même. Comme ça derrière. Ouais, là on est bien, c'est bon là, c'est bon. Ça vous êtes au premier plan, c'est mieux. Ouais, exactement, ouais. Allez, vas-y Bobby, je rentre. Parti. Bonsoir monsieur. À votre avis, quel quartier devrait être viré par la mairie? Yo gang shit, comment ce cypher? Il y a un petit quartier là, près de la raquette de Grove Street. C'est les Nine Force, c'est ça? Ballas Gang, yo. C'est ça, Mini? On dirait carrément, yo. Ils méritent carrément pas d'être là où ils sont, yo. Explique-leur, Cypher, pourquoi, yo? Parce qu'à la base, regardez, vous avez déjà vu des ballas dans un motel? Moi, non. Hein. Moi, j'habitais là-bas avant. Ah, hier, je me suis fait dégager à coups de pied au cul. J'ai tout perdu, j'ai perdu toute ma maison, j'ai perdu mes amis, j'ai tout perdu. Ils devraient pas être là-bas. Ce serait nous. Yo, ils nous ont carrément volé nos maisons, yo. C'est pour ça qu'ils méritent pas. Comprenez? Ouais. D'accord. Gang shit. Mais nous, on n'a pas besoin du maire, nous. Eh, baisse la mairie, fuck le maire, yo. Fuck les cops, fuck the ops. Ballas Gang. Alors, ça, je suis pas sûr que je vais pouvoir le mettre sur le montage, mais c'est bon à savoir. Bah si, faut le mettre. Vous avez compris le principe, de toute façon. On va le ramener à la maison, le quartier, yo. C'est bon, yo, c'est... pour toi. Je sais pas si c'est ça, quoi. Yes, faut... bon. Yo. Ouais, t'inquiète, on était bien, t'inquiète. Ah, cool. Bah, merci messieurs, en tout cas, vous avez... trop bien. Merci. Attends, Bobby, viens voir. Ouais. Oui. Mais tu te mets juste en face de moi et tu parles en continu. Tu parles. Juste continue. Ah, vas-y, va, prends une douche comme ça. Parce que du coup, il y a plein de choses à dire, mais... Tiens, je te passe le shampoing. Tiens, le shampoing. Ouais, non, tranquille. Ouais, c'est cool, continue. Tu peux mettre un pantalon? Parce que t'es un petit peu à poil là quand même. Yo. Non, vas-y, viens. Attends, mais c'est vrai, on met ça dans une bouteille, on la revend. C'est Hermione Granger, yo, elle fait des sorts quand elle parle. Non mais imagine, on met ça dans une bouteille, après on les vend. Oh, si vous voulez un vrai scoop, venez nous voir, mais ça sera un truc anonyme par contre. Ah bah on peut rester ici alors. On peut carrément vendre l'eau de sa bouche quand elle sera sérieuse. Alors j'ai une question, est-ce que vous voulez que ce soit filmé, mais bien évidemment, votre voix sera modifiée, on verra pas votre visage, ça fera grave bresson, ça ferait banger. Non, ça, c'est pas filmé, parce que ça va être problématique, c'est vraiment un truc sérieux. Oui, bien sûr, bah c'est le but. Ouais, mais si c'est filmé, je vais être dans la merde. On peut... Non, mais on peut ne pas montrer votre tête, en fait, on vous filme de dos ou un truc comme ça. Yo, réfléchis bien, T-Dog. On vous filme de dos, ouais, non, vous changez. C'est concernant les cops directement, ils font pas leur travail, ces bouffons. Bah yo, vous savez bien flouter, changer la voix, yo. Mais bien sûr, je me permettrai après, pas c'est de sympa, le... gang. Non, attendez, je vous dis déjà le truc, et vous me dites si ça vaut le coup de faire une vidéo ou pas. Et grosso modo, je vous explique, apparemment, il y a un mec, là, Sabio, je sais pas quoi, un ancien Mara, qui a tué des gens en ville, il a tué une femme, un flic et tout. Et ça, les cops, ils le savent. C'est vrai, ça. C'est Will. Et un jour, en gros, je vais pas vous donner les détails, parce que Focaf, on s'en fout. Je me suis retrouvé dans un truc où j'avais son arme dans les mains et j'avais deux flics en otage. Et vous savez quoi? Je suis monté dans une voiture et je suis parti avec l'arme qui a tué tout le monde comme ça. Et depuis, pour vous dire, bah, les flics, ni ils m'ont vu, ni ils m'ont rappelé, ni rien du tout. C'est pour vous montrer à quel point ils s'en foutent. Vos vies, et vous n'étiez pas masqué, vous étiez... Ah non, ils savent même qui je suis, ils savent même que je suis d'ici. Et il n'y a pas eu de répercussions depuis? Non. Et l'autre là, le Sabio, je sais pas quoi, je sais pas ce qui est arrivé de lui. Ouais, en gros, c'est lui qui les avait pris en otage. Il m'avait forcé à faire ça. Sauf que c'était 30 et tout. Et moi, je l'aime bien. Du coup, les couilles. Et en gros, j'ai juste gardé. Ils m'ont dit, ouais, faut que tu rends l'arme. Nanani. Je dis, non, je la garde. Et je suis parti avec. Normal. Zéro news. Et depuis, et pourtant, c'est une arme qui a tué. Hein. Mais eux-mêmes, ils me l'ont dit. L'arme, je sais pas quoi, on en a besoin. C'est pour des enquêtes et tout. Ça, c'est, moi, en fait, je vous dis ça, c'est juste pour vous rendre compte. En fait, ils font pas leur travail. Ils font des enquêtes. Mais c'est des bouffons. Il y a rien du tout, yo. Ils sont pas venus chez vous pour faire une perquisition? Bah non. Pour moi, on peut la filmer. Hein. On peut filmer un truc très rapide. Et quitte à ce que, par exemple, vous parliez de vous en troisième personne, en disant ce qui s'est passé, mais à la troisième personne, du coup, vous parlez pas de vous. Et on vous filme pas vous, on filme juste... Yo, mais ils vont savoir que c'est lui, yo. S'il raconte cette histoire, ils vont savoir que c'est lui. En fait, non, le problème, c'est quoi? C'est même pas que les cops sachent que c'est moi. Moi, ça me dérange pas. Tu peux même mettre mon nom, mais faut pas que ça sache que c'est moi qui l'ai raconté, parce que c'est grave con. Ah oui, c'est pour ça que je te dis, parle de toi en troisième personne, ou un de tes potes parle de toi. Yo, moi... En fait, je vous explique pourquoi je force sur le format vidéo.
c'est qu'on fait beaucoup d'articles et en fait, je vais les pas gens, vous mentir, sont je pense, les gens, si regardent la vidéo. Les gens sont plus attirés par quelque chose de rapide, de court, à part ça. Et en fait, c'est quelque chose qui va plus toucher la population plus que et juste un article. D'après, voilà. D'après le témoignage de Mini et JR et Fin. Ouais. Alors non, parce que moi je connais pas l'histoire, donc si un jour on me demande, je suis dans la merde. C'est rien, il vient de la raconter. C'est moi. Ouais, mais si les flics, les cops, ils commencent leur enquête, est-ce qu'ils vont pas dire, eh, bah, les deux petits bouffons là qui ont fait un truc au Weasel, on va pas les interroger eux en premier? Moi, je veux dire, j'ai entendu cette histoire dans le quartier. Moi, je veux dire, j'ai entendu cette histoire dans le quartier, c'est tout. Oh, voilà. De quoi? Ok. Bah, les flics, ils vont me convoquer. C'est une rumeur du quartier, je m'en bats les couilles. Bien sûr. En vrai, moi, ce qui me fait chier, c'est surtout pour vous. Genre, on peut arriver en soirée, que ce soit un civil lambda ou un plus gros criminel de la ville, bah on sait même pas qui sont les gens au final, parce que bah, y a ni des enquêtes, ni des articles, y a rien qui est fait correctement. Et il peut y avoir le plus gros criminel comme un mec lambda dans la même soirée, et puis tout le monde réagit pareil à ces deux personnes-là. C'est grave. Ben, vous inquiétez pas, nous on est là pour faire notre travail justement. On veut, ouais, j'ai on déjà veut pris ma douche, Bobby. D'infos. Pardon. Carrément, Bobby. Attends, bah, du coup, on reste en. Non, mais non, c'est bon. On restera en format papier, du coup. Comme vous voulez, vas-y, mais, hop, bah, Mini, vas-y, fais la vidéo. Et si on te filme juste au niveau du bas du torse et le bas de ton corps sans montrer ta tête et on fait un voice modifier. Mais j'ai encore mieux, il s'assoit de dos, je floute même sa tête et genre il parle juste, tu vois. Ouais. Bien sûr, il y aura personne. Non, mais fort. En vrai, Mini va vous le raconter comme une rumeur du quartier. D'accord. Okay. C'est bon. Et vous, okay, c'est bon, Mini, ou pas? Ça, moi, je décharge en même temps. Ouais, je crois que je me souviens de l'histoire. Grosso, bah, c'est le soir où t'as vu, je me suis fait péter sur Palais Tournant. Je t'explique rapidement. Souviens, en gros, ils m'ont ramené. Non, mais je me souviens endroit, du gars là qui disait. Oh, coucou, Ray. C'est le gars qui disait qu'il. C'était un ancien flic. Non, c'était un marin. Il avait une chaîne de marins. Ah oui, Ayolo. Il se faisait appeler Sabio l'Invincible. Et là, elle a tué un cop, c'est une femme à coup sûr. Mais toi, tu connais mieux l'histoire, c'est pareil que ce soit. Mais raconte-leur et on met juste mon blaze à la fin. Mais on n'est pas obligé de dire le nom en fait. On n'est pas du tout obligé de dire le nom. En fait, comme ça, j'écoute bien l'histoire. C'est trop nul que ce soit moi qui la raconte. Vas-y. Mais attends. Mais c'est toi qui connais l'histoire, yo. Bah oui, c'est toi qui la connais mieux. Et c'est toi en voix off qui raconte. Ah ouais, aussi, au pire, ouais. C'est lui qui est assis et toi, c'est toi qui parles. Ouais, pareil, la voix, elle sera modifiée. Et on fait le voice modifier. Voilà. Bah, si vous voulez, juste, on a vite fait un petit truc à faire. Vous voulez pas décharger en deux dollars? Ouais. Vous voulez juste déposer votre carton? Non. Ouais, c'est vite fait. Je prépare juste la caméra rapidement. Ouais, vas-y. Hop. C'est trop bien! Mais ouais, c'est trop bien! J'adore! Trop bien! On va faire plein de trucs! Bah oui! Props. Non, mais c'est pas moi qui vais tenir des props. Attends, F1. Props. Je pense par contre que le prochain micro-trottoir qu'on va faire, ouais, il va falloir que les gens se soient collés à toi. Ouais, parce comme ça, on fait pas... Ah, c'est bien. Ben, il faut qu'on fasse un format téléphone. Oui, ah ouais, oui. Du coup, bah, s'ils sont trop écartés, ça va pas être possible. Ouais, je non, pense que celui-là, il va être un peu trop compliqué. D'accord. Putain, tu vas kiffer, je vais tout envoyer, tu vas... Ah, ça va être trop bien. C'est clair, putain, en plus j'adore faire ça, tu sais pas à quel point, putain. Monty. Trop bien. Attends, je vais mettre la chaîne. Vas-y. On filme de dos, lui. Peut-être pas ici, non. Bah oui, on va le filmer de dos, par contre. Moi, j'ai bien aimé, tu sais, les petites chaises là-bas qu'ils ont. Tu sais, ça fait plus... Bah, attends, les canapés, excuse-moi. Dans leur quartier directement? Tu penses qu'on peut leur poser la question? Un peu chaud, non? Non, c'est chaud, je sais pas, en fait. Attends, regarde si on fait ça. Ici. Et qu'on on met la chaise comme ça, là. Oui, en vrai, ça me va. Après, je peux... Attends, la chaise, juste, tu peux la retourner de l'autre côté, du coup, vu qu'il doit être de dos. Ah oui, c'est vrai.
Après, on peut changer, le décor. Tu veux quoi comme décor? Alors là, franchement, j'ai pas d'idée pour là pour le coup. Je sais pas. Franchement, vas-y toi, si t'as une idée, vas-y. Je peux pas. Attends, on peut regarder ce qu'il y a autour. J'ai trouvé! T'as trouvé quoi? Tu vas voir. Attends, viens, regarde là-bas. E.T. On le met de dos là, comme ça, t'auras un peu l'arbre en plan. Ça te convient? De dos. Ouais, carrément. Lui, carrément. On le met face à l'arbre et toi, tu filmes. Du coup, il y aura un peu l'arbre en arrière-plan. Vas-y. Allez, vas-y, on fait après, ça. Après, tu vois, pour le cadrage... Il faut juste que j'arrive à... En fait, quand je cadre, il faut juste que j'arrive à flouter l'arrière-plan, mais je sais pas comment faire, putain. Avec un masque sur la vidéo, pour détourer. Ah, je sais... Oh, putain, alors là, il faudrait que je trouve le bon truc. Pour trouver quoi? Je sais pas si toi, t'as... Le masque. Tu pourrais sortir quoi comme masque? Non, mais sur le logiciel de montage. Ah, genre, ok, d'accord, pas sur la caméra directement. Non, tu détours et puis tu floutes. Tu fais un flou gaussien autour. Ok, bah je pense que je vais faire ça. Je sais pas, hein, comme tu veux, après, c'est une idée. Hein. Non, bah oui, je vais me débrouiller un peu, je vais voir. De toute façon, je vais te l'envoyer avant et tu me diras ce que t'en penses. Bah, je suis sûre que ça va être bien. Hein. Merci. Bah, déjà, tu fais l'effort de le faire, donc à partir de là. Moi, j'adore, en plus, je suis trop contente. Regarde, tu vois, je me dis si on le met là, comme ça, et toi, tu filmes de là. Bah ouais, carrément. Ça me paraît carrément correct. T'as fait un plan plutôt pas mal, non? Ah oui. T'aimes bien? Je vais t'envoyer en plus la photo du plan. Comme ouais. Ça, la capture d'écran, enfin, tu regarderas, vas-y. Quoi. Vas-y. Bon, il faut juste qu'on aille les voir, du coup. Oui, vas-y. Elle est trop cool, hop. J'aime trop, elle a trop la patate. Par contre, les bagnoles qui klaxonnent pour la vidéo, ça va être un enfer. Hein. Arrive vite faire. Par contre, y a moyen d'arrêter de faire sonner les bagnoles là. T'inquiète, je vais faire un son de. Enfin, je vais enlever le son, le fond. Ah ouais, t'arrives. Sur la vidéo, t'inquiète. Juste mettre le micro cravate. Voilà, exactement. Venez. Okay. On va juste monter en fait. Viens, regarde, je t'ai mis une chaise. Tu vas te mettre de dos, toi aussi, comme ça, on te filmera pas directement. Mais non, mais vous pouvez me filmer, je m'en branle. Attends, tu t'en fous? Ouais. Ah bah dis-lui. Il s'en fout, lui. Bah écoute, alors mets la chaise en devant, comme ça, à la limite, bah on reste sur le même cadre, sauf vas-y, que... Bah dis, je l'attends. Non, yo, je me pose carrément là, au pire, et vous me filmez. Viens à côté de moi, l'intervieweuse. Ah. Comme ça, il y a la rue. Attends, bah t'arrives alors. C'est mieux, le plan, c'est mieux. Ok. Avec toutes les voitures derrière et tout, c'est pas ouf. Hein. C'est quoi le mieux, là alors? Bah l'arbre, franchement l'arbre. Ouais, voilà, exactement. Vas-y, va à côté de lui. Alors le but, il faut pas que ce soit super long. Après on fera des cuts au pire. Mais... Oui, bien sûr, on fera des cuts. Mais juste... Non mais elle est très très courte l'histoire. Ah bah voilà, c'est nickel. Attendez, je vais juste... Bon. Je suis nul, je sais, mais je raconte pas. Ok, tac. Oh, moi je fais pas de floutage, rien. Hein. Bah les couilles, hein. Ouais, on s'en fout, c'est on s'en fout. C'est qui décidé, hein. Ah non, nous on a pas peur des répercussions, hein. Mais du coup, c'est. Yo, vas-y, c'est bon, ça tourne. C'est moi, yo, c'est bon, ça tourne. Non, c'est toi. Attends, il faut qu'on mette en place tout. C'est clair. Par contre, T-Dog, je vais pas lâcher le blast du gars parce qu'après on va me traiter de Pookie encore, yo. Ouais, lâche pas le nom du gars, t'as raison. Non. Alors, tac. T-Dog, Mini et Cypher. Oh, ça y est. Parlez. Oui. Ouais, yo. Test micro, yo. Une, deux. Et approche-toi juste un petit peu d'elle, s'il te plaît. Oh, y'a compliqué ça. Tu t'arrives à t'approcher un petit peu de lui? Yo. Comme ça?
Il faut faire des formes, je suis désolée. Putain, fait chier, yo. On fait format téléphone. Ouais, téléphone, yo, ouais. N'aie pas peur, okay. J'ai pas de manger, hein. Ouais, parle devant, yo. Ouais, t'inquiète. Ouais. T'es bon pour moi. Ok, 3, 2, 1, go. Bonjour, monsieur. Yo. Comment ça va? Yo, ça va carrément pas. Ben, racontez-nous un petit peu, alors vous avez quelque chose à nous dire, apparemment, on vous écoute. Yo, écoutez, j'ai carrément entendu un truc dans le quartier, yo. Ça s'est passé il y a quelques semaines, c'est à propos des cops, yo. Là, vous qui regardez cette vidéo, sachez carrément que les cops, ils font mal leur boulot, yo. Voire ils le font pas. Ils font croire qu'il y a des enquêtes, yo, qu'il y a des réseaux qui tombent, etc. Mais il se passe rien, yo. C'est toujours autant la misère dans cette ville, yo. Écoutez bien, il y a un gars de chez moi, yo, il s'appelle T-Dog. Il s'est fait kidnapper. Vous me suivez, yo? Par un groupe qui l'a ramené sur une prise d'otage, carrément. Où il y avait des policiers. Merci. Ces mecs-là l'ont déguisé. Pour les yo, comme si c'était l'un d'entre eux, et ils lui ont demandé de braquer un otage. Yo, il a failli perdre la vie sur cette affaire. Heureusement que les flics l'ont reconnu et l'ont sorti de ça. Enfin, on va dire, yo, on fait en sorte qu'il puisse en sortir, yo. Il a été récupéré et il a gardé l'arme qu'il lui avait donnée. Et yo, cette arme, les cops sont jamais venus la chercher, yo, au quartier. Personne n'est jamais venu enquêter sur cette putain d'affaire, yo. L'arme, elle a disparu carrément. Et les flics s'en foutent. Yo, on vous parle de police scientifique, de DOA. Mais yo, pour une affaire comme ça, y a personne qui bouge son cul, yo. Alors vous imaginez bien que pour des trucs, yo, graves, des meurtres, des agressions, yo, il se passera jamais rien. C'est tout ce que j'avais à dire, yo. Vous avez juste cet avis à nous dire sur la police? Vous pensez sincèrement pas qu'ils sont capables d'investir un peu? D'accord. C'est très grave. Yo, bah, c'est carrément pas gang, yo. Oui, ben, je comprends votre colère. C'est le message que nos mères sont pas en sécurité, carrément. Oui. Ouais, bah. C'est une histoire vraie, c'est une real shit. Yo, c'est les rumeurs de la rue, yo. Ah. Carrément, direct du hood. C'est Mini, yo. Gang shit. Bah écoutez, monsieur Mini, merci beaucoup pour cette interview. On espère sincèrement que la police écoutera ce message et réagira face à ces propos. C'était le Weasel News, carrément. Bobby Tripotin. Merci à vous. C'est bon, merci, quoi. C'est dans la boîte. C'est bon? C'est bon? Y'a pas besoin de faire une deuxième prise? Non, ça va, il y aura juste quelques petites coupures, mais sinon rien. Oui, forcément. En vrai, ce que vous pouvez faire pour que ce soit légèrement mieux, c'est à l'écrit, vous mettez comme quoi il y a eu des témoignages, et que bah, les gens de la ville se sentent pas en sécurité, qu'ils peuvent pas savoir s'il y a des criminels autour d'eux parce que la communication n'est pas faite. Yo, faut que vous passiez ça dans un zapping, ça passera bien, yo. Un genre de journal, yo. Ouais. On peut revenir vous-même. Ok, genre en mode un zapping, genre de... Avec yo, faut interroger les gens, à vous d'interroger les gens de ce qui se passe en ville, yo, carrément. Ok, d'accord. Ça peut être une bonne idée, ça, yo. Ça peut être pas mal, les zappings. Tout est vrai. Ok, bon, en tout cas, c'est dans la boîte pour moi. Merci beaucoup. Ah oui, par contre, du coup, je suis désolée, par contre... Du coup, vous me payez combien, là? Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais yo. Non, mais yo. Trop tard, par contre, ça va être compliqué pour que je vous mette, parce qu'en fait, vous êtes trop écarté. Et si je veux le mettre format téléphone, il faut que vous soyez... beaucoup plus proche. Ouais, yo, gang shit. Combien, bah, combien? Comment ça, gang? Combien? Bah, combien, yo? Combien quoi? Oh, combien? Bah, combien je suis payé, yo? Alors, de base, pour ce genre de choses, vous êtes censé me payer. C'est ah, c'est moi, je paye maintenant là. Pour ton interview. Bah oui. Bah oui. Yo, c'est pas le monde pour à l'envers. Pas pour le micro-totard, parce que le micro-totard, c'est nous qui sommes venus pour le scoop. Proposer pour le scoop. Bah, ok, yo. Bah non, bon, c'est pour si la on propagande. Pas publié, bah les couilles, hein. C'est pour ça que je dis, y'a personne qui paye. Non, je sentais ma chance, t'as capté. Bah non, mais t'as raison, hein. Comme on dit, qui tente rien à rien. Ouais. C'est gentil en tout cas, je pense qu'on va faire un zapping en vrai. Ouais. Carrément. Cool. Merci. Vous voulez refaire le micro-trottoir ou pas du coup? Yo, c'est quoi la question? Pas bonne. C'était quel quartier vous pensez que le maire. La mairie. Yo, mais si on voit que ma gueule à moi tout le temps, yo, je vais avoir des soucis. Ah. Bon, bah, ah ouais, c'est vrai que... Quel quartier de mairie doit supprimer? Tidoc, tu veux répondre à la question?
Mon frère, il va me casser les couilles, yo. Si je fais que de la télé, fait, là. Viens là, il va rien faire. Tu dis cette vidéo. Viens, on fait le micro-trottoir ensemble, sinon. Yo, mais vas-y, fais un passage et j'en fais un, yo. Viens, on se met contre la grille. Ou alors on se colle carrément. Oui, faut on se colle par contre, hein, parce que. Vas-y, gagne comme ça. Tac. Attends, t'es plus haut. Ah non, c'est bon. Attends, je vais juste me décaler un peu. Voilà. Moi, je vais mettre sur le côté. Putain, là. Là, on vous le donne à manger, là. Ouais. Et ça fait plaisir. C'est bon comme ça, le format pour le format. Attends, mais c'est quoi les questions, là? Je vais te la poser. Il y a une question, yo. Une question, tu donnes ton avis. Mais dis les 9-4, yo. On fait un truc sur les 9-4 et je t'appuie. Ah non, bah non, ça va être chez nous, t'es con. Bah ouais. Mais non, mais faut les faire déménager, yo. Samy, Arena et Durio, tout le temps. C'est pour les faire déménager, pour que le maire il les fasse déménager, yo. Faut qu'on trouve un truc. Au pire, on dit que là-bas, je sais pas, il y a des problèmes de canalisation, ça pue. Comme ça, il refait, il les jette, il refait et nous on y va. Yo, c'est pas con, ça, non? Tac, attendez. Yo, attendez, on réfléchit vite fait. Attends, mais en vrai, la question, c'est une question de merde. Parce que du coup, Yo, mais dans tous les cas, on va répondre à ça. Comment ouais, bah, en fait, moi, je comprends pas vraiment la question. Ils dégagent leur quartier. Oui, la question. Ouais, c'est ça. En fait, on va la poser à plusieurs personnes, en fait. Donc, du coup, bah. Vous serez pas les seuls à répondre, on va essayer de faire. Mais nous, en vrai, on veut pas qu'ils aient plus de maison, yo. On s'en fout, après, c'est vous qui décidez de comment vous allez y répondre. Si vous voulez dire à notre quartier, bah, vous dites ce que vous voulez, tu vois. Vas-y, carré. Vous rapprochez, hein. Improvise. Le but, c'est que votre réponse soit rapide, parce que dans tous les cas, je vais couper plein de trucs. Ouais. Donc au plus rapide vous répondez, au mieux c'est. C'est bon pour toi? Attends. Le cadrage, c'est bon surtout? Hop, attends. Ok, c'est good, vas-y. Ok, super. Bonjour messieurs, ici le Weasel News, on fait un micro-trottoir. On a une question à vous poser. À votre avis, c'est quel quartier que la mairie devrait supprimer? Yo, moi c'est J-Dog des Palaces. La mairie devrait supprimer, En vrai, il y a bien un quartier. Enfin, c'est pas un quartier, c'est des habitants plutôt d'un quartier. C'est les 9-4 Bloods. Yo, qui ont notre raquette. Mais ça, le problème, c'est que c'est pas la mairie qui va le faire. On va s'en occuper nous-mêmes. On va les baiser. Carrément, gang shit. Fuck après, pour ops. La mairie, bah, qu'ils aillent déloger les riches un peu, qu'ils nous laissent tranquilles. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre réponse. Yo, ouais, c'est bien parlé, ça. Merci, c'est bon. Y'a rien. Bah, voilà. Moi aussi, je vais poser. Gang shit. Eh, viens. Bah voilà, posez la question aux gens, le truc là. Bah super, on sent. Voilà, faites un micro-trottoir pour les EMS. Bonjour. Allez. Écoutez-moi bien, ouais, les deux, mais même MMS. La police, mais non, ferme ta gueule. Je peux être sur la photo. Nicolas, ou... la main. Non, c'est pas une photo. Faut vous coller. Il faut vous coller pour que ce soit en format téléphone. Ok, ouais. Que ce soit pas dégueulasse, quoi. Attends, excusez-nous, madame. Ah bah non, mais je t'ai. Bah là, il faut qu'elle soit là. Ah merde, bah ouais. Je suis sûr. Elle est EMS. Ah merde. Ah ok. Ok, du début, du bien des balaches. Vous voulez bien vous mettre de l'autre côté de moi, s'il vous plaît? J'arrive. Voilà, parfait. De l'autre côté? Voilà. Ouais, c'est bon comme ça. C'est bon. Attendez, je mets les bonnes lunettes. Attends, je me décale du cadrage. T'inquiète. En direct, vous allez voir. Ah, super, la merci. Rue en direct. Ouais, la rue. La cité. Et cassez-vous. Okay. Cassez-vous, yo. C'est bon? On veut pas de vous ici. Allez, dégage. Oui, c'est ça. C'est vous le problème. Attendez, les gars, vous pouvez pas faire de bruit, on fait un reportage. Moins de gaz, là, il y a un micro-trottoir. Allez, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Allez, 3, 2, 1, go. Bonjour, ici Weasel News, on est avec les paramédics. J'ai une question à vous poser. Quel quartier le maire devrait-il supprimer? Sans aucune hésitation, le quartier des Balas. Ah d'accord, et vous mettez des dames? Fils de pute, je t'ai dit de dire pas ça. Aïe, ah mon nez, non, mon nez, mais... Pardon Bobby, c'est ce connard là. Aïe, ah mon nez, ah, il m'a pété le nez. Ah mais c'est une blague, j'allais changer après, mais putain tu m'as niqué le nez. Oh, merde, ah, désolé. Aïe. Ah, merde, j'aurais dû laisser finir, pardon. Mais il est con. Bon bah alors ça alors c'est incroyable. Bon putain. Bah coco me bah écoute je suis con. Allô. Madame, vous recrutez au Weasel? Non, c'est pas moi la patronne, je sais pas si. Oui, vous avez la vidéo madame, Ça va et toi?
Je vais en travail. Bah oui, oui, mais il faut que je la montre. Je vais prendre que la petite colle, je sais, ça va. Non, mais mettez pas ça dans la vidéo. Non, mais c'est rien, c'est pas grave. Ah, si, 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 ça va être incroyable. C'est un malentendu. Dis-moi. Tu es où? Je suis au quartier des Palaces. Au début, okay. Bah oui, voilà, oui. Ça, on fait un début, micro trottoir. Ok. Tu as toujours besoin d'une caméra? L'appareil photo? Oui. C'est trop Selena m'a donné le sien tout à l'heure. Ah bah ok, bah parce que j'en avais un de deux en trop là qui traînait à la voiture donc j'aurais pu le passer. Oh, c'est gentil. Mais je préfère le tien. Ok. Tu me le gardes? Ouais, ça roule. Je te le garde et je te passe après. C'est vrai? Ouais. Bobby, par contre, elle est pas là. Vas-y, je t'en prie. À tout à l'heure, bisous. 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 J'arrive, je suis là. On repose la même question? Ouais. Ok, attends, je ressors mon micro. Bon. Ok, c'est parti. Bonjour, ici Louis de News. On fait un micro-trottoir. Messieurs, dames, j'aurais une question à vous poser. Le maire devait supprimer un quartier, à votre avis, ça serait plutôt lequel? Eh ben moi je pense tout d'abord que le maire il devrait supprimer aucun quartier, parce que les quartiers c'est un peu la base de l'économie de Los Santos, vous voyez, on a besoin de tous ces jeunes de quartier qui viennent travailler dans nos pauvres entreprises pour nous servir dans la vie de tous les jours. On a besoin des gens qui font des métiers peu reconnus par la société, hein. Du coup on a besoin de tous ces jeunes mécaniciens, tous ces jeunes personnes qui travaillent dans le secteur agroalimentaire, etc. On en a tous besoin, donc moi je suis pour même construire plus de quartiers, la construction, la prolifération des quartiers, je suis pour. Merci. Et vous, madame, s'il vous plaît, vous pourriez me donner une réponse? Eh bien, comme mon collègue, pour le coup, je pense que chaque quartier a le droit de vivre, donc je suis vraiment pour qu'il n'y ait aucun quartier qui soit supprimé. D'accord, donc tout voilà. Pareil. Ouais, exactement. Tout pareil, exactement. Ok, eh ben, écoutez, je vous remercie, c'était Louise El News, on était avec les paramédics de Los Santos. Ouais, les paramédics, ouais. Super, c'est bon. Merci. C'est bon. C'est bon. Putain, ça va être incroyable ce montage, je vous jure, je vais taper des barres. Ah, ça va être trop bien. Super, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci messieurs, dames, on va y aller. De rien. Merci les gars, merci beaucoup. Ciao. Désolé madame. Putain, ça va être incroyable ce montage. Ça va être bien. Claire. Est-ce que... alors, je vais dans la voiture, j'ai besoin de faire un petit truc pendant genre 5 minutes grand max. Oui, tu conduis le temps de trouver quelqu'un d'autre et puis... Ouais. Près droite à gauche. T'inquiète, on fait ça. Exactement. Combien là maintenant tout de suite? Au revoir messieurs, dames. Au revoir Bobby, merci pour la douche. À plus tard, avec plaisir. Combien là tu sors des... Regratué hein. Wow. Cool, je suis trop fan. Je compte dans d'autres quartiers là. Quoi? Paramédic représente. Salut, ça va ou quoi? Ça va et vous? Ça va. Ça va super. Ça va ou quoi, Kaza? Tu dates? On fait un micro trottoir pour le Weekend News. Ça vous intéresse? Zigzag, il est chaud, ouais. Non, il est pas ouais. Ouais. D'accord. Je sais pas, je suis pas son père. 60-04. Ouais. C'est sympa? Ça va aller toi? Salut Fabiel! Avec Jean du voyage, ça va être très drôle. Je vais me faire tuer, putain. Quoi? T'as dit quoi? À Rockswood. Pourquoi il y a autant de belles? Rockswood, dans le nord. Au-dessus de Paléto. Au-dessus. Putain, yo, c'est qui tout ça? Ah! Bonjour, monsieur!
Bonjour. Yo, vous êtes qui? On est le Within News. Et vous voulez quoi, yo? On fait des micro-trottoirs, on fait des questions sur tous les quartiers, on a besoin de votre avis. Putain, yo, mes grands frères, ils sont pas là, yo, ils sont là dans 5 minutes, je crois. Tant pis, mais ah là, ouais. Y a rien qui presse, après ça peut être toi. Hein. Ah ouais, je mérite, yo, tu penses? Bah, tout le monde dit qu'il mérite. Mais yo, ils vont m'engueuler après. Attends, j'arrive avec toi. Vas-y, viens. Ah, je vais parler pour le quartier pour une fois. Ouais, attends. Hop, elle est dans la voiture, hop. Mais c'est pas des questions compliquées, yo, hein? Non, non, c'est une seule question. Hop. Ok, ça va, yo. Parce que, attends, elle est en train de... Elle fait le... Hop. Hop. Par contre, c'est mes grands frères qui viennent, il faut que je cours, hein. Ah bon, pourquoi? Parce que... Hop, hop, hop. Laisse tomber, yo. Hop, hop, hop. Elle est en train de faire le pré-montage de la première vidéo, c'est ouais. Pour ça. Carrément, carrément. Elle est hyper concentrée. On la sort par la fenêtre. Ouais, c'est terrible. Ça va être dur là. Putain, yo. Elle est vraiment collée sur son ordinateur. Si mes grands frères ils viennent, yo, c'est pas moi, je vais faire le micro-trottoir, je vais être triste. Pardon, pardon. Bonjour. Putain. Voilà, tu vois, c'est. Yo. On a plein de gens. On a tout plein de gens. T'as vu? J'ai trouvé tout plein de gens. Trop forte. On a un monsieur. Ouais, carrément, yo. Ici, je crois. C'est ça? Ouais, carrément. Et là, on a des monsieur du quartier d'ici aussi. Par contre, faut faire un peu vite avant que mes grands frères ils viennent, ils vont me taper, je crois. Et ben, on va faire un par un. On va commencer par le jeune homme avant qu'il se fasse. Parce qu'il faut que je cours. Ouais, on va faire la droite. Ils sont pas là, ils sont pas non, là. C'est jamais, ouais. Et si jamais je cours, vous retenez mes dernières paroles, hein. Okay, hey, oui. Par ma tête, par ma tête, par ma tête, par ma tête. Ah, si, non, carrément pas, yo. Vous êtes masqué alors. Ouais, carrément. Ouais, masqué, y'a pas de soucis. Viens, viens. Okay, non, incroyable. Juste que c'est bizarre qu'il y ait pas de tête, quoi. Je suis pas un chat, toi, t'es sérieuse ou quoi, yo? Pardon. Plus jamais, yo. Aïe, non, carrément pas chez nous, yo. Même droit, tu vois. Putain. T'es mais c'était pas méchant, yo. C'est comme ça qu'on se donne de l'amour ici, yo. Arrête, yo. Mais arrête, yo. Mais arrête, c'est pas vrai, yo. Arrête, non. Oh, je vais être triste, yo. Allez, putain, viens, je te donnerai une poche de glace, viens. Tu veux arrête, continuer yo. À l'interview tu, ou pas? Tu veux un cadeau? Tiens, je te donne un cadeau. Oui, Fabien. Tiens, cadeau. C'est pour toi. Merci. Tiens. Waouh, merci. Petite caméra, allez. Je suis désolé, yo. T'inquiète. Tu m'en veux pas, c'est bon. Non, ça va. Ouais, c'est pas grave. Mais viens, fais le micro-trottoir avec moi. Yo, on est deux. Vas-y, c'est carré, yo. Alors, tac. On est pour, tu me dis quand attendez. On est tout bon. On doit se regarder dans les yeux, yo. Moi, je suis timide un peu, là. Non, non, il faut regarder la ouais, caméra. Je ouais. Désolé. Ok, parce que, ouais, car... Moi aussi, on me pose les questions. Voilà. Ok, ok, okay. Yo. Et moi, je réponds à qui? À toi ou à la caméra, yo? La caméra. Et en même temps, à moi. Du coup, je me mets entre vous deux comme ça, yo. Ouais, ok, parfait. Le je regarde genre là ou là ouais. Ok, c'est carrément. Voilà. Ok. Profil trois quarts. Trois quarts face comme ça? Non, ouais. Putain, ici. Ouais, ouais, ok, ok, yo. Ok, c'est bon. C'est bon pour toi, Oup? Ouais, c'est bon pour toi, Payo. Ok. Ouais, 3, 2, 1, go. Bonjour, ici Bobby Tripotin pour le Weasel News. On fait un micro-trottoir, monsieur, est-ce que je pourrais vous poser une question? Ouais, carrément, yo, allez-y. Merci. Si le maire il devait supprimer un des quartiers de la ville, ça serait lequel, à votre avis? Yo, et ben moi, je le laisserai jamais faire, yo, tu sais pourquoi? Parce que je suis le héros ici, yo. Ah, quel type de héros? Vous avez des super pouvoirs? Je suis le héros qui peut sauver tous les quartiers, yo. Ils courent tellement vite que quand ces grands ils vont arriver, il va se barrer en courant. C'est pas vrai, yo. Et du coup, si le maire il devait supprimer un quartier, vous en supprimeriez aucun? Aucun, yo. D'accord. Bah, je supprimerai la mairie, moi, yo. C'est quoi ce bordel là? Ok, ben je vous remercie, c'était le Weasel News, Bobby Tripotin pour le micro-trottoir. Merci à vous, yo. C'est le héros du quartier. C'est quoi ce bordel là? Le héros du quartier. Bonjour. Ouais, carrément, yo. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Tranquillement, ça, Big. On fait un micro-trottoir sur l'opinion des quartiers, justement. Mais c'est bon, c'est déjà fait, c'est bon, c'est bon. Voilà, tranquillement, c'est fini, c'est fini. C'est lui qui a proposé ce service, là? Mais carrément pas, yo. Qui sommes venus le chercher, et du coup, il était tout seul, et je lui ai demandé s'il voulait participer. Ouais, carrément, yo. Ça vous intéresserait, vous, ou pas? Non, ça m'intéresse pas, il a raconté quoi, encore? Bah si j'ai des choses bien, non, yo. La question c'était si le maire devait supprimer un des quartiers, ça serait lequel? Et il a dit aucun. Ouais, ouais. Mais carrément, yo. C'est tout ce qu'il a dit, il a pas raconté de conneries. Carrément ah pas. Non. Non. De toute façon, ça va sortir, ça. Ouais, de toute façon, tu verras. Oui, ça va sortir, ouais. Ah oui. Ah ouais, je veux bien l'écouter, je veux pas être prévenu dès que ça va sortir. Mais carrément pas, le big, yo, arrête. Mesdames, bonsoir. Ouais, ouais. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, madame? Ça va bien, et vous? Eh, je peux le parler, là, madame, yo, vite fait. Moi, je m'appelle Bobby. On va le dire quoi, encore? Tu t'appelles Bobby, yo? Oui. Du coup, bah, voilà,
Ouais, je voulais savoir, ça sort quand ce bordel là, yo? Normalement, ça devrait sortir demain ou peut-être dans la soirée si on a le temps. On garde, yo, secret professionnel parce que eux là-bas, sinon, tu vois le gros, yo, il va manger après. Non, non, t'inquiète pas, de toute façon, t'es masqué et tout, et puis après, oui. T'inquiète, hein. Ok, bah. On n'est pas là pour okay, vous mettre en danger, hein. Notre but, c'est de transmettre l'information. Ok, yo, merci. T'inquiète, c'est quoi ton blaze? Mon quoi, yo? Ton blaze? Mon blason? Ton blaze? Ah, mon blaze! Ah, yo, on m'appelle Tissi, yo. Et toi? Tissi, yo. Ah, c'est bien, moi, c'est Bobby. Bobby. Bah, c'est la première fois qu'on le fait, enfin, moi, en tout cas. Tissi et Bobby, yo. C'est bien, hein? Si je peux. Ouais, ça va, yo. Ouais, madame, bien. Ok, ça marche. On va regarder ça, on va voir, hein. Ouais, si on trouve assez de monde ce soir, c'est Bobby et Tissi. On va voir si t'as pas raconté des conneries, toi. Non, 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 il a été très bien. Ouais, on t'a à l'œil, hein. Vous voulez participer, messieurs? J'ai carrément rien fait, yo. Non, allez, on va vous interroger. On va se mettre de l'autre côté. Merci, messieurs, pour... Ouais, avec plaisir, madame. Non, vas-y, moi, vas-y. À plus tard. Yo, je t'en prie, Bobby, yo. À plus tard, viens, on va aller. Plus tard, yo. Je suis Bobby. Merci. Ça va paraître quand? Si on a le temps ce soir, sinon demain. Je pense que ça va être plutôt demain, ouais. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup, là. Ok. Alors, tac. Je me rapproche, excusez-moi, c'est parce que c'est au format de téléphone. Vas-y, rapproche-toi. Merci. N'hésite pas. Merci. Ok. 3, 2, 1, go. Bonjour, ici Bobby Tripotin pour le Weasel News. On fait un micro-trottoir. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Ouais, tu le peux. Merci, c'est gentil. Si le maire devait supprimer un des quartiers de la ville, ça serait lequel selon vous? Pourquoi il devrait le supprimer, un quartier? Bah, dans une supposition où il devrait supprimer un quartier. Oh, c'est des questions difficiles, ça. Ah bon, vous trouvez? Oui, faut pas supprimer les quartiers parce que t'as des gens, ils y vivent et qui font des choses bien. Oui. Donc aucun quartier. Non, ce serait terrible de supprimer un quartier. Il y a des gens, des familles qui l'habitent là-bas. D'accord. Ça sera seulement, ça sera votre avis définitif? Ouais, je me battrai pour qu'il n'y ait pas de quartier supprimé. Est-ce que vous voulez élaborer un peu plus votre réponse? Bah, je soutiendrai pour qu'il n'y ait pas de quartier supprimé. S'il faut faire des manifestations ou des choses, des marches blanches, tout ça, je le ferai. D'accord, ben, je vous remercie. C'était Bobby Tripotin pour le micro-trottoir du With The News. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas handicapé, vous avez juste une différence qui vous apporte un charme unique. Merci. Attends, vous parliez des gens de quartier? Non, je parlais de Bobby. Parce que l'autre jour, elle disait qu'elle était handicapée. Et j'ai dit non, t'es pas handicapé. Tu as une petite particularité qui te rend l'unique. Merci. Ok, super. Bon, ben, voilà, c'est dans la boîte. Ouais, nickel. Merci. Ouais. Merci ouais, beaucoup. Merci, avec le plaisir. C'est la bonne soirée. À plus tard. Vas-y, bon courage. Merci. Pareil, Bobby, je repars deux secondes. Oui, je suis désolée, en fait, j'étais sans... Merci. T'inquiète. Alors, où est-ce qu'on va aller? Là-bas, on a fait les balasses. On va aller à la Paulina. Les gangs sont plus sympas que la police. C'est possible, non? C'est une balasse. J'aurais bien aimé essayer d'avoir les Nine Four et tout, mais je me rappelle jamais. Je me rappelle jamais où est-ce qu'il est leur quartier. On va aller vers la Colina. Et le launcher. Ah! Mais écoute, kiff un peu. Red Dead, c'est quand même une pépite, hein.
personne. C'est cool, j'aime trop le concept. Et hop, elle a l'air trop canon, son perso, j'aime trop. Elle est trop pépette. Ah, ils sont plus là de toute façon. Allez, ça part! C'est bon? Yes, c'est bon. Bah, on peut. Y'a personne là dans le quartier? Non. Si on klaxonne, tu penses qu'il y a personne qui vient? Tu pensais qu'il y avait des véhicules, non? Attends, mais où? Devant le quartier là. À droite ou à gauche? À gauche, à gauche. Gauche. Là-bas? Oui, ouais. Klaxonne un peu? Non, non, va pas jusqu'au. Enfin, ouais, c'est bon. On peut pas klaxonner. Ah bon? Non, parce qu'elle a le gyrophare. Ah merde! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Quelqu'un? Non, quoi que t'es. Pico, pico! Bon, c'est pas grave. Bah, chercher, on va continuer. De toute façon, après, y'a d'autres personnes. On peut demander. Ah, y'a les bikers! Ah ouais, vas-y, de ouf, vas-y! Attends, on va les demander. Ah bah en plus, Elena, elle connaît un biker. Ouais, c'est un de ses copains. Je sais pas s'ils sont là. Bah écoute, ça nous coûte rien d'aller voir. J'ai pris un coup de club de ouf. Y'a quelqu'un? Quelqu'un? Y'a quelqu'un? Bah tant pis, hein. On va continuer. Hein. Sinon, je mets un tweet. Mets un tweet avec ton numéro, pire. Comme ça, déjà, les gens, ils t'appellent s'ils veulent voilà, 96-23. C'est une bonne idée. Attends, parce que moi, j'ai plein de numéros qui m'ont appelé, j'ai pas réussi à répondre. On peut échanger les places? Yes, je pose juste le tweet et vas-y. Vas-y. T'es là? Oui, vous m'avez appelé? Si, Madame Tripotin, c'est ça? Si. Si, alors, nous avions besoin de vous, Maître Da Silva, à l'appareil. Bonjour, je fais... Si. Maître de quoi? Da Silva, Carmen. Ah, je suis avocate au cabinet Parker et Garcin. Ah. Et nous aurions besoin de vos services. À quelle heure c'est je bon, pourrais c'est dire? C'est bon, vas-y, je Attends, parce que du coup je peux plus. Vas-y. Vous m'avez dit quoi, madame? Pardon? Non, ça, madame. Excusez-moi. À quelle heure, James? Pardon? Est-ce que vers minuit et demi ou une heure, vous êtes encore en ville? Oui, largement. Ok, bah, disons bah, minuit et demi. Ça peut bien, James? Oui? Ah bah écoutez, on vous tient au courant, mais si à minuit et demi, on peut se donner rendez-vous au bureau du cabinet, on aurait quelque chose à vous proposer. Mais je travaille déjà pour le Weasel News, moi. C'est pour le Weasel, hein. On a un article assez intéressant, je pense, à vous proposer, Madame Tripotin. Ah, ben écoutez, d'accord. Donc ça, c'est votre numéro à vous? Si, tout à fait, ça c'est mon numéro à moi, et normalement juste avant, vous avez Monsieur Parker qui a essayé de vous appeler aussi. Mais c'est le 80-96? Ça doit être ça. D'accord, ben ouais. Vous pouvez m'envoyer chacun un message, comme ça avec votre nom et si. Tout? Comme ça, claro, je vous envoie ça. Merci, c'est gentil. Impeccable, à tout à l'heure, madame. À plus tard, madame, merci beaucoup. Ah. À plus tard. Ouais, cool. Des gens, ils m'appellent pour des articles et tout, maintenant. Trop bien. Je suis trop contente. Bon bah j'ai posté le tweet, pour le moment pas d'appel hein. Ah, doute.
Bon, c'est pas grave, on va. Je viens de le poster aussi, donc peut-être que dans la soirée. Après, il y a qui aussi? Il y a peut-être les services publics à qui on pourrait poser la question, non? Pas carrément, hein. Ah, ben bah, voilà, attends, il y a des gens. Il y a des gens là-bas. Bonjour, messieurs! Suivez-nous! Mais toi, t'es policier! On a des questions toi, à vous poser, enfin, un micro-trottoir! Ah, toi, t'es policier, ah oui, moi, et t'es Wizzle News! T'es policière et t'es Wizzle News! T'es les deux! Je suis le non, toi. C'est pas vrai! Tu peux pas être policier! Attends, je vais juste me garer si c'est possible! Et putain, mais je pensais qu'il y avait une policière! Ah, mais tu m'as déjà interviewé, toi, en plus! On accepte, mais avec plaisir! Ah, c'est gentil! Ah oui, oui! Vous êtes les gars, d'ailleurs, j'ai vu ton reportage! Ah, Chéa, on veut pas toi à l'antenne, elle a dit Adam! Merci! Elle veut pas des mecs avec des t-shirts bizarres, là! Ah ouais, ça vous a plu? Franchement, ah ouais, bah, top, hein. Ah mais c'est Chia, là? Ouais, c'est ça. Ah, pardon, je t'avais pas reconnu. Ça va? C'est pas grave. Ouais, ça va, nickel, et toi? Ça va, ça va. Bah, du coup, en fait, on fait un micro-totoir avec une question toute simple et on aimerait votre avis. Vas-y. Madame, la tête de mer, j'ai trop envie d'écouter votre question. Ah bah, c'est super. On fait tout ça en même temps? Non, pas tous en même temps parce que niveau format ça va être compliqué, okay. Mais ça va faire deux personnes, enfin je vais faire deux trucs quoi. Ouais, ok, est-ce qu'on peut dire que je réponds quatre, en premier quoi. Qui veut, réponds en premier. Vous faites des duos, qui veut et qu'avec Vas-y. Ok, je suis tout seul. On dit que je suis tout seul. D'accord. Attends, alors, bouge pas. Attends, mets-toi ici là. Où? Non, mais là je m'affiche à l'antenne avec Bumpy, mais c'est la honte. Allez, viens. Ah, ok, bon. T'as la vieille veste, le patron là. Ok, attendez, je vais sortir. Mais qu'est-ce qu'elle fait derrière nous? Attends, je me colle. Il faut qu'on se colle fort parce que, okay. En fait, on fait en format. Alors, te colle pas trop fort, calme, te colle pas trop fort. Ok, c'est bon, tout c'est d'accord. Non, messieurs, est-ce que je peux juste vous demander deux secondes pendant qu'il parle de pas parler comme ça? Ouais, parce que après les micros, ils chopent tous les sons, c'est compliqué. C'est okay, désolé. Dès, hein. Dès que ça lance, vous dites let's go. Ouais. Je vous le dis, vous inquiétez pas. T'inquiète, okay. On est rodés, hein. Vous êtes pas nos premiers. Allez, hein. Allez. Ouais, attends, faut qu'elle mette en place la caméra. Ok, prenez votre temps. Tac, vous êtes prêts? Moi, je suis trop hype. Non, je suis trop prêt, oui. 3, 2, 1, go. Bonjour, ici Bobby Tripotin pour le Weasel News. On fait un micro-totoir. Messieurs, est-ce qu'on peut vous poser une question, s'il vous plaît? Bonjour, oui, mais avant toute chose, j'aimerais préciser que je ne connais pas la personne à ma gauche. On vient de se rencontrer dans la rue. Ah, bah c'est parfait. Du coup, si le maire devait supprimer un des quartiers de Los Santos, lequel serait-il? Ce serait celui... Des Nine for Bloods, bande de putes. Et pourquoi donc? Parce que c'est des putes là-bas. Vous pouvez développer? Et grosse dédicace à Lil G, la plus grosse pétasse biatch de Los Santos. Vous pouvez développer votre réponse, s'il vous plaît? Ah oui, alors c'est au niveau économique que je vous parle. Ah bon, pourquoi? Oui. Eh bien, si on récupère la raquette, ce sera bien mieux. Et oui. Par rapport à quoi? Par rapport à plein de choses, vous savez, le monde est fait de plein de choses. D'accord. Donc, on répète. Ça serait quel quartier que vous préféreriez? Ce serait quel quartier? Ce serait le quartier des Nine Four Bloods. D'accord. Je vous remercie Dédicace beaucoup. Dédicace à Lil G. Fuck you, Lil G. Fuck you, bitch. C'était voilà. Bobby Tripotin pour le micro-trottoir du Weasel News. À vous. Merci, Bobby Tripotin. Je me fais pas enculer, moi, en fait. C'est ce que je me suis dit, pourquoi tu n'as pas posé la question? Oh non. J'ai rendez-vous. Non, mais pardon, j'ai eu le stress. Non, mais c'est bon, vas-y. Oh, bah, non, mais je t'ai dit. Ah, mais oui, mais c'est bonne fille, hein. Non, mais c'est le stress. Pardon. C'est très grave. Attends, reviens. On refait, Je vous jure, elle n'a pas fait exprès. Non, promis. Oh mon dieu. Attends, oh, il est mort. Oh, mais il est mort. Attends, je suis désolée. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Je crois que c'est toi, il va le répondre là. Non, bon. Mais attends, viens. Attends, on fait. Il a un accident, lui. Ah, mais oui, il est mort devant mes yeux là. Mon dieu. Mort. Ah, mais je t'avais dit, il voulait pas que t'ailles à l'antenne. Vraiment, il pute en fait dans l'histoire. Ma mère, je suis. Il est venu, il était en figure, en pose des bras croisés. J'étais là, je suis. En fait, je suis un panneau, moi. C'est ma sécu, Bumpy. Ma mère, je suis désolé, c'est le stress. C'est Bumpy, elle nous a dit de pas parler, mais c'était à nous deux, pas à toi. On t'achète. Attends, tu peux te rapprocher? Tu te rapproches un peu de moi, s'il te plaît? Pas trop. Et moi, je peux faire un peu ce que je veux sur le côté? Bah après on vous floutera si vous faites des choses bizarres. Non, hein. Non, je fais une petite danse. Faut le flouter, entier, faut le flouter.
Ok, non, on est reparti. C'est bon, ça tourne. Yes, vas-y, 3, 2, 1, go. Et vous, monsieur, c'est quoi alors votre avis que le maire, s'il devait supprimer un quartier, ça serait lequel? Moi, pour moi, ce serait Akolina. Pourquoi donc? Parce que quartier de Latino, ça pue sa grand-mère et qu'il y a des poufias là-bas. Ah bon, connais, vous hein. aimez pas les Latinos? Bah, j'aime pas le Latino de là-bas en tout cas, et même les autres qui habitent là-bas, quoi. Toutes les personnes qui habitent là-bas, qui sont enculées, t'as vu. D'accord. Donc, voilà. Donc c'est parce que c'est des guerres de rancœur entre vous? Ouais, pas que, t'as vu. Mais ah. ouais, principalement. Vous pouvez développer ou pas? Bah. Leur quartier, il est immense, t'as vu, il prend v'là la place, pour rien, y'a personne là-bas, ça vit pas, y'a jamais de soirée, y'a jamais rien, t'as vu, y'a que des susboules là-bas. D'accord. C'est, ça veut dire que t'as vu, c'est un quartier inutile en vrai, hein. Pour le faire réhabiliter des gens qui ont besoin, t'as vu, ou nous laisser à nous, t'as vu. Oui, je comprends. Bah écoutez, monsieur, je vous remercie de nous avoir donné votre avis, en tout cas. C'était le Weasel News pour les micro-trottoirs avec Bobby Tripotin. C'est à vous. Super, merci. C'est est-ce que j'ai fait bien sur le côté? Super. T'as vlambancé. C'est réel, les gars. C'est réel. Si vous voulez ouvrir une section, je courrais. Allez, brûlez du coup. Allez-y, allez, monsieur. Pop. Tout le monde. Je peux peut-être rester à la deuxième antenne. Je fais des petites danses. Mais moi, je sais pas quoi dire, moi. Allez, je prends sa place. Attends, brief-moi. Allez, je le répète. Allez, tu peux nous faire en combiné. Y'a la police. Allez, Filmez Weasel News, bavure. Je peux pas, j'ai posé ma caméra. Non putain. Mais c'est quoi là? On a un micro-trottoir. Un micro-trottoir. Baissez vos mains, mesdames, et regardez-moi quand vous parlez. On faisait un micro-trottoir. Ah oui, ah, c'est un micro-trottoir, mesdames, c'est ça? Oui, ah, bon, c'était tout mignon. Ah oui, ok. T'avais pas reconnu? Raciste. Okay. Tu m'as jamais envoyé. Comment ça, raciste? Ouais, t'es grave con. Chez A, c'est le moment où tu dois t'en mettre. Tu m'as jamais envoyé ton numéro? C'est le travail là, on parlera de ça après. Pardon. Vous appelez comment, madame Cheveux Rose? Je m'appelle Hope. Mais vous êtes super insistant, monsieur. Enchanté, madame Hope. T'es enchanté. Ma collègue. Oh là, mais, non, mais je vérifie juste. Oh, le t'as dit. Hein. T'es dégueu. Non, mais t'as l'air assez. Mais quoi, mais t'abuses, c'est qui a parlé là? Chéa, t'es chiant, Chéa. Oh, t'abuses. Bon, allez, on continue le contrôle, c'est bon. Ok, et c'était quoi le reportage? C'est un micro-trottoir. On pose une question et les gens, ils nous donnent leur avis. Ok, ils vous ont donné un avis sur quoi du coup là? Ben pour l'instant ils en ont pas donné parce que vous êtes arrivés, vous avez tout sous-coupé. Bon ça va, elle a bien tout gâché. En fait, à la radio, on nous a dit qu'il y avait des gens un peu turbulents au niveau du bingo ici. Donc, on est venu. Quoi? On a rien turbulé. C'est qui a dit ça? C'est pas joli, il a dit un gros mot quand même. Allez, toi, t'es le seul que je vais contrôler. Allez, allez. C'est un raciste, c'était lui. Bon, allez, vous en faites votre micro-trottoir, je me casse, allez, vous avez gagné. Vous avez interrogé la police. On veut savoir. Attendez. Prenez vite, venez. Je suis mort. Oh mon dieu. Prenez mon numéro. Police. 0205, appelez-moi et je viens. Allez, 0205. Merci. De rien. Désolé, mesdames, on doit bouger. Ok, merci, bisous. Merci, bonne soirée, les gars. Merci. C'est bon. Ça nous en fait déjà un de plus dans tous les cas. Ouais. C'est cool. Allez, vas-y, ça part. Allez. Bah, tu vas où? Pardon. Ah non, c'est fermé. Ah oui, pardon. Ça ne t'inquiète. Putain, ils m'ont bien fait rire là. Putain, ouais, c'est drôle. viens, allez. on va se balader. Peut-être vers le foyer, il y a du monde. Vas-y, mets-moi un point, je sais pas trop où c'est. Il y a le nord aussi qu'on peut interroger, hein. C'est vrai. Tu veux, j'appelle un ami, là, la police du nord. Le SASP? Ouais.
Vas-y, vas-y. Attends, au pire, on fait le tour du sud pour le moment et après on monte. Comme ça, ça nous évite de faire des allers-retours. D'accord, je l'appelle juste pour le prévenir, comme ça je vois ce qu'il fait. Ouais, vas-y. Oui, allô? Oui, dis! Monsieur? Oui. Est-ce que ça dirait qu'on t'interroge pour faire un micro-trottoir? Ouais, si tu veux, mais moi j'ai pas grand chose à dire, hein. Non, mais on pose une question. Oui, c'est quoi? Attendez, monsieur, attendez. Dis pas, sinon ça gâche ta surprise. Ouais, dites-moi. Ouais. On travaille pour le jeu. Mais vous avez pas une question, c'est pas une question qui te mettrait... Je suis juste fatigué, c'est tout. Qui te mettrait mal, hein. Ah non, y'a pas de... Je vais te dire la question. Ouais, dis-moi. Tu répètes pas, hein. Non, je répète pas. D'accord. T'es, si le maire devait supprimer un quartier de Los Santos, lequel ça serait? Et, et toi, tu donnes ta réponse, mais tu peux dire aucun, hein, t'as le droit. Ok. D'accord. Ok. Bon. T'es où, là? Je suis au poste nord. T'es d'accord. Monsieur, bah, prends mon dans le nord. Ok. À tout à l'heure. Tu me dis quand t'es dans le nord et je viendrai. Ok, super. Bisous. Allez, bisous, tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà. D'accord. Alors. Putain, j'ai arrêté. Attends, j'ai arrêté la voiture en plein milieu de la route, quand même. Je suis pas loin. T'inquiète, c'est pas grave. Est-ce que mais les warnings. Un tout petit peu plus vers vers l'eau, la route, quoi. Enfin, viens. Je suis fatigué, moi. Allez, je vous prends par la main, monsieur. Venez. Ouais, tac. Ouais, ça va aller, monsieur. Okay. Vous avez besoin de. Allez, ça va. Il a besoin d'aide, le monsieur. Bah, il est très fatigué, apparemment. Je suis fatigué, je suis malade, apparemment. Appuyez-vous sur mon épaule, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Ok. Attends. Alors, tac. Je prépare la caméra, moi, le temps. Tu veux en se mettre de quel côté? Regardez, monsieur. Pouvez regarder de l'autre côté. Ah, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Merci. Super. Alors, tac. Ok. C'est pas obligé de faire l'intro, t'inquiète pas, je vais la mettre une fois. Bah justement, c'est ce que j'allais dire. T'inquiète, bah vas-y là. Ok, tu me dis, c'est bon? Yes, 3, 2, 1, go. Bonjour monsieur, je vais vous poser une question. Si le maire devait supprimer un des quartiers de la ville de Los Santos, à votre avis, lequel serait-il? Bah en fait, moi je vais pas vous mentir, c'est que je connais pas trop Los Santos. Mais un quartier, j'y suis allé une fois. Enfin, je crois, je me suis réveillé dans un appartement, j'étais tout nu. C'était à la Colina, j'ai oublié comment il s'appelait. Mais oui, c'était un quartier, il était à la Colina, en face d'une supérette. Et puis, Ah, monsieur? Ah ouais, ok, vous êtes qui? Je suis où là? Vous êtes qui? On était en train de... Vous étiez en train de me répondre à la question. Si le maire devait supprimer un des quartiers de la ville de Los Santos, lequel serait-il? Ah, en fait, je sais plus. Je répondais quoi déjà? La je Colina. Sais plus. Ah ouais, du coup, c'est un quartier où je me suis réveillé dans un appartement. J'étais tout nu avec plein de noirs à côté de moi. Mais après, je sais plus, je côtoie pas trop les quartiers, moi. D'accord. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de nous avoir donné une réponse. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais, vous aussi, madame. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Merci, c'est dans la boîte. Aïe, 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 je suis fatigué. C'est bon, hein? On a tout? Ouais, putain, celui-là, j'adore. Monsieur! Ouais. Vous avez oublié votre vélo, non? Ah non, il était ici, il était ici. Vous m'avez appelé? Oui, oui, c'était votre vélo. Pardon, pour votre vélo. Ah non, il n'y a pas de souci, j'irai le réparer plus tard. Allez, super, bonne journée. Ouais. Vous voulez qu'on vous accompagne quelque part? Non, j'ai nulle part où aller, j'étais juste en train de faire un tour à Los Santos. Maman, si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas... Non, j'aime pas le foyer. J'ai un travail, j'ai à peine de l'avoir. C'est Madame Emma, elle m'a donné une chance au COI. C'est la première personne qui me donne une chance. Ouais, c'est ça. Mais non, là, j'étais juste en train de faire un tour de Los Santos, j'ai nulle part où aller. Putain, l'horreur. Bah, écoutez, faites un peu le tour si vous avez besoin ou quoi, n'hésitez pas. Hein. Ouais, bien sûr, j'appelle qui. Et vous voulez vraiment pas aller au foyer? Non, j'y étais la dernière fois, j'ai pas aimé.
Ils m'ont fait dormir sur le canapé et je me sentais étouffé. Et moi, vu que j'arrive pas à dormir, ça va faire longtemps que j'ai pas eu un vrai sommeil. Je suis sorti et je crois que je me suis réveillé à la plage. Ah. Bon, je sais plus, j'ai oublié. Mais parce qu'après, ils vont faire des nouvelles chambres aussi au foyer, sont en travaux. Ça peut vous intéresser de nouveau, du coup? Non, non, moi j'aime pas. C'est parce que moi, avant, ma chambre, elle était grande et tout. Mais non, j'ai pas envie d'avoir une chambre petite. D'accord. Moi, je préfère rester dehors au cas où. Dans tous les cas, j'arrive jamais à dormir, donc j'essaie de pas dormir. Donc voilà. Bah, faites attention à vous, en tout cas. Oui, bah merci beaucoup, madame. Pas de soucis. Bah allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Compliqué, hein. Ah ouais. Imagine, putain, se réveiller, pas savoir où tu es et tout. Bah on dirait un peu narcoleptique, hein. Ouais, je fous. J'avoue, putain. Il s'est endormi pendant la question, tu te rends compte? Ah mais ça va être tellement dans le montage, ça, ah, tu vas oui. voir. Ah oui, oui. Non, c'est bien, c'était ici. Bah écoute, y'a peur. Non mais je vais voir s'il y a quelqu'un dedans. Attends, vas-y, je vais juste poser la voiture. Vas-y, je t'entends dans la voiture. J'arrive. Aïe. J'ai deux appareils, hein, je vous jure. J'ai deux appareils photo, plus celui de Roche, je vais en avoir trois. Moi qui avais besoin d'appareils photo. Y'a personne? Non. Il est toujours lui là. C'est cool de bosser avec Hope, hein. On a trouvé une bonne nénette là. Hein. Merci! Y'a personne? Non. Bon, c'est pas grave. Tu veux en aller vers le nord du coup? Vas-y, écoute. On a fait tous les quartiers là, si? On a pas fait celui des. Des. Mmh. Bah, des. Ceux qui sont en Grove Street en vrai. Bah, vas-y, teste, hein. Vas-y. Peut-être que là-bas on va trouver grave quelqu'un, tu vois. Bah, on croise dedans, hein. On en fait encore deux ou trois et puis après je pense que c'est très bien. D'accord. J'ai retweet. Ah merci. Comme ça peut-être ça se reverra de nouveau. Ah c'est gentil, merci beaucoup. Bah normal, attends, c'est pour nous hein. En tout cas j'aime trop travailler avec toi hein. Bah moi aussi j'adore. C'est trop fun. Ça va être trop bien tout le temps. Ouais, j'y tends aussi. En plus, je vais faire des petits effets là et tout. Enfin, j'espère que tu vas rigoler autant que je le visualise, je te jure. Ah non, mais c'est trop. Mais j'en suis sûre, je suis sûre, ça va être dingue. C'est clair. Est-ce que toi, tu peux filmer par hasard? Salut, Mehdi. Moi. C'est genre un jour, je fais le contraire. Ah oui, de dingue, bien sûr. Ouais? Bah oui, ah, clairement. On tentera une autre fois. Tu me dis, ah bah y'a Selena hein. qui m'appelle. Hello. T'es en quoi si jamais. En fait, micro-trotter. C'est bon, je suis libre, j'ai tout fini. Ah bah bien. Je vais vous contrer en même temps. Allez, hop. On est à Groove. Tu veux qu'on vienne te récup? Oui. Attends, j'arrive. Elle est en train de craquer. Let's go. Allez, je vous attends. Let's go, c'est parti. Allez, c'est pas. Tu veux que je te mette le GPS? Non, merci beaucoup, c'est bon jeu. Ok. Bah, j'espère juste que la question, ça passe, quoi, parce que... Mais oui... T'imagines, elle nous dit non? Oh putain, voilà. Ouais, je pense pas, hein.
Franchement, elle est pas malaisante la question. Non, bah non, moi je trouve que c'est. Bah non, mais moi je trouve que justement c'est intriguant, tu vois. Oui. Ouais. Salut. Je trouve c'est bien intriguant et tout, tu vois, du coup, au contraire. Bah oui. On a fait déjà plein de d'interviews micro-trottoir. C'est sur quel sujet? La question c'est si monsieur le maire devait supprimer un des quartiers de Los Santos, lequel serait-il? Alors, en le connaissant, la colline. Ah ouais? Ah. Tu crois? Oui. Mais il est pas trop. C'est pas trop peuplé, non, la Colina? On y est allé, il y avait personne. Bah, j'y étais un soir, il y avait quand même un petit peu de monde, mais genre 4-5 personnes quand même, c'est un grand quartier. Bah oui, normalement. Là, il nous manque Groove. Ah oui, Groove Street, putain, j'espère qu'il y aura du monde. Espérons. C'est vrai que c'est un peu vide, j'avoue. Ouais. Il y a des voitures. Ah bah non, tu vois. Il y a du monde. Il faudra un mégaphone. On peut pas. Ouais, c'est clair. Non, on rentre pas dans un quartier toujours. Faut toujours monter de position. Oui, ouais, bah oui, bien sûr. Attends, ma soeur, on me repère de loin. Ah, bah ils vont pas venir. Lève les bras, peut-être. Ils sont où? Je vois pas. Ah, si, ah bah y'a peut-être quelqu'un. Ah bah on va aller avec elle, peut-être. Oui, c'est vrai. Je me parle à moi, t'as eu. C'est la bonne. Bonsoir. Oh, bonsoir. Vous êtes news. How are you today, les women? Ça va? Vous allez bien? Everything is gang, 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 la singeuse. Ça fait plaisir de vous voir. Ouais, ça va. C'est qui a tout tué avec sa guitare, ça, l'autre jour à WWE, tu vois. Coucou. Elle a tout fuck. On fait un micro-trottoir et on aimerait vous interroger, c'est possible? Like this, you can. Ouais, mon gars, gauche, je t'envoie s'il veut, hein. Sinon, on fait deux groupes de deux, ça vous va? Moi, je vous regarde, j'observe. On peut interroger plein de gens, mais c'est juste, on fait un format téléphone, du coup il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur la... Vas-y, deux groupes de duo, hein, c'est gay. Allez, mettez-vous en duo et on fera un... Allez, Mickaël, on y va en duo. Vas-y, la série, on va les front deck, on va m'embrouille. Ah putain, vous avez... Oh, à côté du chien, ce serait incroyable. Non, à part s'il ne mord pas, hein. Ouais, en vrai, c'est vrai, à côté du tout. J'espère que tu ne mords pas, fils de pute. C'est sur un sujet... Ah oui, c'est vrai, t'as cherché mon cookie, attends, j'arrive. Vas-y. Quoi? Coucou. Ah, il veut pas, ah, non, ah bah, il veut pas. Pas bon, bah, écoute. Pas négatif. Attends, je vais préparer ma caméra. Oui. Tac. Le cadrage. Ah, allez, vas-y, viens, viens, viens. La lumière. C'est quoi ça? On va pas vous faire. Hein, attends, attends, Piqué, on attend mon gars Piqué qui est parti. Oui, bien sûr, t'inquiète. Ton gars. De toute façon, je vais vous dire 3, 2, 1 et elle commencera à parler. Ouais, t'inquiète, pas de galère. De toute façon, on va pas skate, hein. Je comprends pas, on est like des dubs, on est des tous. On lève ta musique. Complète. Il y a des 10 kilos, il peut frasser. C'est bon pour vous? Allez, on est la musique et tout. Il y a juste de la musique. Alors, on va se coller un petit peu. Je suis désolée, mais on est obligé parce que vu que le format c'est de téléphone, si on veut être tous les trois sur l'image, il faut qu'on fasse un coller serré. Ça vous dérange pas? Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. Je suis juste mon cookie t'as capté pour la Soul Canyon. Non, t'inquiète. Vas-y. Alors, on est bien dedans, je crois. Bah, du coup, vu que ça va être posté, ça vous dérange pas quand même d'avoir votre arme? Ouais, vas-y, viens. Bah, c'est bien, moi, au milieu de vous, on me voit, hein, ça. Hop. Vas-y. Allez, c'est bon. Juste. Oui. Je suis désolée, juste le temps de faire l'interview. Si les personnes juste à côté, s'il vous plaît, vous. Je suis désolée, c'est juste que bah, du coup, je peux pas. Juste pas faire de bruit. T'inquiète. Merci. Je commence par ma droite et après, j'interroge à ma gauche. On fait tout d'un coup, après, moi, je couperai en fonction. Mais on fait tout d'un coup. No worries. 3, 2, 1. Bonjour monsieur, je vais vous poser une petite question, c'est bon pour vous? Everything is gang, hein, pose ça ta fucking question, on est là pour ça carrément. Si le maire devait supprimer un des quartiers de Los Santos, lequel serait-il?
Le motherfucking quartier des Crips, hein, les Blueface, je te mens pas, je les hais, ils sont sur Inglewood, c'est Goofy, c'est des petits Goofy, on les a shoot. Dans la Street All Day, tu connais, c'est des petits Goofy, comme je t'ai dit. D'accord, je vous remercie en tout cas de votre réponse. Et vous, attends, monsieur... attends, oui, il faut la refaire, je suis désolé, il y a quelqu'un qui parle. Ah, qui c'est qui parle? Les moines, écartez-vous si vous parlez, écartez-vous par petit. Je suis désolé, c'est juste que je peux vraiment pas enlever le son derrière. Ouais, non, j'ai cru entendre aussi, c'est pas grave, ça, je vais pouvoir la refaire. Ok. Pas besoin de reposer la question, si oui. Vous avez déjà la réponse. Ok, c'est parti, ok, vas-y, c'est parti. Oui. Ok, mais je te mens pas, hein, c'est les motherfucking Goofy, les Crispy Tenders, hein, ils sont sur Inglewood. Ceux-là, faut carrément les exterminer, hein, si on peut prendre un petit bulldozer et tout whipping là-dedans. Et que du blue face, on hate cette couleur ici, y a pas de blue ici. Les capter, no blue in the zone, et si on peut les ramener, les raser, on sera là pour le faire aussi. Vous les fuck four, hein. Fuck the shit. Ben, je vous remercie. Et vous, monsieur, votre avis sur la question, du coup? Ah, moi je suis carrément d'accord avec lui, après t'es, moi je sens pas, y'a pas que, hein, t'es, moi les fucking, t'es, les full line trade, tu vois, les fucking blues à la Corinna, tu vois pas, eux faut les choquer, hein, mon boy, hein. Ok, d'accord, donc ça serait les Crips et les... Et les fake blues, les fake blues. Les fake blues, d'accord. Ouais, bah écoutez, messieurs, je vous remercie de votre réponse, je vous souhaite une bonne journée. No worries, be happy. No worries, non, passe une bonne journée, madame, carrément, t'es bien. Dans la jungle, t'es bien accueilli, hein, no worries, be happy, dans la raquette. Tu veux signer plus souvent, vas-y, viens chanter plus souvent. Merci, you can sing, you can sing. Merci. Allez, les prochains peuvent venir si vous voulez. Allez, à plus, madame. À plus. C'est qui veut participer? On qui veut se faire interviewer? Oh, Primo, Lil G, vous voulez faire interviewer? On peut changer d'endroit, pour comme ça, ça fait pas répétitif. Pour la raquette, c'est important. Allez vous faire interviewer. Si, si. Et si, faites-le en face, là. Non, je parle à Vicky. Vas-y, viens. Et Primo fait un bas, il a fait un truc en bif. Vas-y, c'est pour la demoiselle et le monsieur. C'est pour la raquette, là, c'est pour représenter Lil G. Ouais, vas-y, Lil G, elle arrive. Lil G, abuse pas, t'abuses. C'est pour représenter non, c'est leur délire. Non, mais j'ai des trucs à faire, yo. Ça prend 30 secondes, hein, ça prend 30 secondes avec toi. C'est une question, hein, vous abusez de ouf. Elle va vraiment te poser une question, vraiment. Ils sont pas venus pour rien. Fais les kiffs, ouais, fais-leur un truc, c'est une seconde, oui. T'abuses de ouf. Allez, venez, on va devant le garage. Comme ça montre qu'il y a de la woman dans le quartier. Vas-y, devant le quartier. Belle, madame. Oh là là, Lydia, ouais, c'est quoi ça? T'as vu comme elle est mignonne en plus, toi? Non, vas-y, t'es obligé d'y aller. Attends, je vais t'appeler du monde qui va. On va te ramener 40 personnes, c'est bon. Ah bah voilà, appelle Maudit, appelle Maudit, dis-lui bien. Elle est peut-être timide devant la caméra. Oui, c'est Guapo, pas grave pour Guapo, viens. Guapo, viens. Appelle Maudit, appelle Maudit, Guapo. Laisse Maudit et Guapo parler, t'as vu. Mais là, y'a un monsieur. Vas-y, viens vite où, tu vas te faire interviewer, t'as une minute là, tu as une putain d'interview contre les hops, c'est right now. Bonjour. Vas-y, tu fais. Ah, ce serait trop bien de le faire contre ça. C'est possible de le faire contre la petite écriture derrière? Carrément, carrément, carrément. Allez, hop, hop, hop. On peut être plus dans le cadre ou pas? Pas beaucoup parce que je le fais format téléphone et s'il y a trop de monde. On sera 4 mais nous on speed pas. C'est bon pour... Je vais mettre entre vous deux si ça vous dérange pas parce qu'on fait un format téléphone, il faut qu'on soit un petit peu collé serré. Alors, vous, ce que vous faites à la limite, si vous voulez être sur le truc et pas ouais. Parler, il bah, y en a un qui. C'est une question. Non. Je suis chaud. Vas-y, mon lit, tu te présentes en face, après on y va. Mais mettez-vous accroupi en fait en sorte à ce qu'il y ait assez de monde sur un format téléphone. Faites des signes de gang, faites des signes de gang. Dites les opposants, dites les opposants. Molly, mets-toi debout, tu vas te faire interviewer, un Molly. Moi, j'ai qu'un seul parce que si tout le monde parle, ça va être un enfer. Vas-y. Qui se désigne? Molly, va parler. Molly, mets-toi devant, Molly, c'est toi qui vas speak. Attendez, allô? Baisse-toi, ma gueule. Celui qui. Allô, bon. Celui qui va parler, qu'il aille à côté de. Vas-y, bah c'est bon, Primo, représente. Ah, ok, my bad. Madame, je vous mens pas, moi je suis pas chaud de faire l'interview. Vas-y, représente. Primo, vas-y, Primo, il représente. Primo, c'est bon. Arrêtez l'interview. Non, c'est bon, Primo, Primo, il va gérer. Stop. Non, stop. C'est une question, moi, tu vraiment fais l'équiper. C'est une question, fais l'équiper. Il veut pas, il sort du cadre, c'est pas grave. Attends, madame, c'est une interview, pourquoi tu te mens? C'est pour like. C'est juste une question en fait. Et vous répondez à la question. Quel quartier on aimerait détruire? Au moins, je vous ai dit. Attends. C'est quoi la question d'abord? C'est quel quartier on aimerait raser? Si le maire devait détruire un des quartiers de la ville, lequel serait-il? Creep. Voilà. Bah écoutez, Mouchi vous a dit, on fait pas la machin. Donc attendez, ne filmez pas. Ok. Je vais voir mes supérieurs et je vous dis ça tout de suite. Allez, d'accord. Ramène-moi le manager, s'il te plaît. Oui, allô, pour quelle raison nous devons ne pas faire la vidéo, l'interview? On dit aux copines de s'en aller? Ou on fait l'interview? C'est une question, c'est 10 secondes. Okay. C'est 10 secondes, c'est un rush. D'accord, hein. C'est les supérieurs, c'est ça?
D'accord, ok. Ça veut pas. Alors nous sommes vraiment super sympas d'habitude, mais là je sais pas pourquoi. Non, mais ça veut pas, on va pas forcer. Hein. Est-ce que celle que j'ai déjà filmée, est-ce qu'on la garde quand même ou pas? Non, interdiction. Non, sinon pas, vous allez recevoir. Ouais, là, bah écoute, non, vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous demande. Comme j'ai le démon, putain, j'allais passer dans les médias, les gars. Bah, désolé. Pas grave. Merci quand même. Mais n'hésitez pas pour quoi que ce soit. Merci à vous et bon courage en tout cas. Bon courage. Merci à vous. Oui, belle pas. Je sais pas, ça aurait été mort. Dommage, je suis deg. Bah, ça arrive, hein. C'est dommage, parce que. C'est dommage, c'est le seul quartier qui va pas y participer. Tous les quartiers vont participer sauf eux. Merde, attends. T'arrives à fermer la porte d'un. Ah bah c'est... Bon bah écoute, tant pis, hein. De toute façon, ils verront les. Ouais, vas-y, tu peux me mettre le point? Oui. De toute façon, ils verront les répercussions du fait qu'ils répondent pas, parce qu'il y aura tous les quartiers qui auront répondu sauf eux. Bah ouais, c'est un peu dommage. Bah après, c'est le choix de qui il a dit? Je sais pas, des petits grands, je crois. Des grands de quoi? De l'école? Du quartier. Non, du quartier. Ah. C'est en fonction, comme bah, t'as les petits frères, ça, les petits frères, les grands frères, et puis... Ah, c'est bon. Pas pour moi. J'ai peur. Mais ouais, non, c'est dommage. Bon, bah tant pis, hein. Comme ça. Pareil, hein. Ils feront participer à la prochaine. Ouais. T'as pas vu pas qu'on se mette déjà des groupes ados? Y'a des gens du quartier. Quitter, hein. On a déjà fait avec les balas, c'est bon. Pas pareil. Là, dans le nord, on va être rejeté à SASP. Y'a aussi le SASP Sud, tu sais, il m'a donné son numéro, je l'ai pas rappelé. Ah oui, attends. Bon, on le rappellera après quand on reviendra dans le sud, du coup, non? Vas-y, ouais, bah oui. Ok. Franchement, la soirée elle est trop ouf. C'est dommage qu'il y en a une fois, ils aient pas voulu. On a des paramédics, on a des gens du quartier, on a des citoyens. Ah oui, putain, le paramédic, c'est incroyable. Il y en a un, il a. Pour rigoler, hein. En fait, on était au quartier des Balas. Bah, du coup, on a posé la question à deux d'entre eux. Et genre, là, il y a les paramédics qui débarquent. Et en fait, bah, du coup, le paramédic, il voulait rigoler. Il a dit: ah bah ouais, moi, les Balas. Le mec, ni une ni deux, il a sorti un truc de golf, il lui a mis une putain de coup sur le visage. Et il a dit, mais non, mais je rigolais et tout. Du coup, ça va être trop drôle sur le montage, vous allez voir, c'est... Ah, c'est tellement drôle. Ah non, ça va être bien, j'ai trop hâte. Ah ouais, c'est clair. Enfin, moi, j'ai pris aussi un peu, quand même. De quoi? J'ai pris un club et une patate. Ah oui, c'est clair, la peau. C'est un peu dangereux, le métier de journaliste. Le danger du métier, c'est clair. Tu sens mieux, tu vas mieux. Hein? Ça va bien quand même? Oui, non, ça va, franchement, ça va. Je pense que bon, bah, je vois, j'ai un petit hématome de demain, quoi. Ouais. On va pas se mentir, c'est un club de golf quand même. Mais c'est pas moi qui ai pris le coup, moi j'ai pris juste le ricochet. Ouais. Et après, j'ai pris une patate dedans, dans le visage, parce que en fait, il y avait un monsieur, et tu sais, les hommes ils font dans la rue. Et moi, du coup, pour la pêche, j'ai fait. Et il a pas compris que c'était une blague, mais je me suis pris un coup de poing. Bah, du coup, maintenant, je n'en ferai plus. C'est bon, j'ai compris ma leçon. Attends, je vais appeler le policier. Vas-y. Je sais pas où il est. Je suis pas ici. Non, mais comme il est en patrouille, sûrement, tu sais. Attends. Je connaissais même pas, je suis même pas venue. Hello. Tu m'as pas envoyé ta position. Oui, deux minutes, c'est parce que je suis au travail aussi, Bobby, hein. Ah oui, c'est vrai. Pardon, t'es où? Là, je suis station essence route 68. Donc, Mais tu t'attrapes des méchants?
Bah, je vais voir si y a des méchants là où il y a un braquage. S'ils sont pas là, là je suis dispo. D'accord. Si, juste à gauche. Bah, oui. Bah, du coup, on est à Sandy. Bah, restez dans les alentours de Sandy, je vais arriver. On reste dans les alentours de Sandy. Ok, d'accord. A tout de suite. A tout de suite. Bisous. Va arriver. Il va arriver à Sandy ? Ouais, il m'a dit je vais juste vérifier un truc et après j'arrive dans les alentours de Sandy. Donc, il a dit rouler dans Sandy, on arrive. Et moi qui pensais avoir la fibre, j'ai l'impression de laguer une syllabe sur deux. Ah tiens, David. Coucou. Eh, coucou, Bobby, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, je suis avec Kurt, là, tu fais quoi? Je travaille. Ça se passe bien? Oui, on fait plein d'interviews. Ah ouais, t'as fait des interviews de qui, là? Ah! Ça va? Ça va? Ah ouais, je suis... Ah. Ça va pas? David! Je crois qu'il est, il est malade. Il a dû avoir un accident parce qu'il a fait... Ah, ah merde! Oui. Y'a pas un ATM? Si, peut-être au... Ah, moi ici. Ah si, y'en a un au LTD normalement, je crois. Ah ouais, bien vu. Attends, il me rappelle, excusez-moi. Oui? Ouais. Ça va? Ouais, désolé, mon fils m'a... Ouais, ouais, ça va et toi? Tu entends Kurt quand il parle là ou pas? Non, genre il y a que lui qui m'entend quand t'es au sirop parleur, mais moi j'entends merde. Pas. Ah mince. Faudrait que ce soit toi qui appelle là? Bah non, c'est juste que si c'est... Enfin, il faut que je l'appelle lui quoi. Ok, bah je répète ce qu'il dit. Ah, super, appelle, ils sont là. Dis-moi, attends, je peux te rappeler? On se rappelle plus tard, oui, oui, on se rappelle plus tard, bien sûr, bien sûr. Merci. Dans deux secondes. Gros, ça va? Coucou Ross! Et bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Coucou, madame. Tu... T'es quoi? Je suis là, prénom. J'observe. Jiwoo. S'il faut faire des bêtises, j'ai un respect. Comment? Mais respect. Jiwoo. Oui, c'est ça. C'est ça, tu veux ma... Attends, tiens. Attends, du coup, ça doit être hop. Tiens. Oui, c'est ça. Comment vous savez? Jiwoo lead. Parce que Bobby m'a dit qu'il avait fait une amie et qu'il faisait des micro-trottoirs avec. Oui. C'est dur pour moi, les petits. T'inquiète, t'inquiète. Je vais t'appeler Wou. C'est bien comme ça. Merci. Vous voulez participer? On va faire l'interview. Hein, tous les deux. Hein. En plus, la dame, elle est trop belle. Toi aussi. Merci. On fait? Ouais, attends, viens voir. Ah, oui, j'ai ça quoi pour toi. Oui. Merci. Ouais. Merci. T'es gentil. Du coup, on se met où? Voilà, non? Non, attends, regarde là-bas! Là-bas, le c'est plus beau! On a oui, vous avez un parc là-bas si vous voulez. Oui. Ah, bah, let's go! Allons, vous aussi! Monte devant, c'est Selena! Quand oui, même! Si oh non! Bah, si? Pardon. Bah, si? Moi, je vous suis là, je suis en observation. En vrai, elle va noter. Ah, il faut bien que je participe un peu au tout, hein. Non, mais Badak, c'était une blague. Mais putain, vous êtes trop premier degré, mes modérateurs, parfois. J'ai peur de vous, hein. C'était une blague. Vous avez pas compris la blague de Ratiski? Ah, bah tiens, il y a le ça. Ratiskai. Vous avez pas compris? Allô? Vous êtes bêtes, hein. Attends, ils sont où? Ah oui. Ils sont là. Wow, ça va et toi? Attends. Il est beau le parc. Je suis avec tes collègues là si bon. Tu veux venir. On fait une interview. Je sais pas. Venez, on va devant la statue. Il y a plus Gary ici, hein? Oui, je sais pas. Si tu veux. Non mais c'est hop, il faut pas comprendre. C'est quoi la statue? C'est une grenouille? C'est un ours, je crois. C'est un ours? Ah ouais. Ah, c'est bien. Kurt, tu peux te rappeler sur une interview? Non, mais c'est grave. T'as appelé mon père avant moi. Mais non, mais c'est lui, il m'a appelé. Pff, c'est quoi, pas mais... moi qui l'a appelé, c'est lui. Mais j'ai même plus les mots, je... Mais attends, Bichou, c'est bon, je te rappelle. Non.
Il va pas être content. Alors, on se met où? On se met devant le nounours. Ouais, bah ouais. C'est bien, non, ça? C'est plein. Attends, je vais mettre entre vous deux parce qu'on fait un format téléphone. Du coup, faut qu'on soit un petit peu collé serré. Ça vous dérange pas? Non. Non, vas-y. D'accord. Allez-y, rapprochez-vous de moi. Collez-moi, hein. Vraiment, n'ayez pas peur. On fait un câlin collectif. Tant que c'est pas un suicide collectif, tout va bien. Alors, attendez, donnez-moi 2 secondes. Ouais. Alors, je vous explique. Wow. Oui, pardon. Non, non, vas-y. Je vais poser une question. Je vais commencer par vous et après, je finirai par grosse. D'accord. D'accord, parce que honneur aux femmes quand même. Bah ouais, attends. Quand même. Pas de politesse. C'est bon? Ah non, mais c'était super en mode oui, oui, bah c'est bon. Ah d'accord, moi je crois que tu te moquais. Bon, vas-y, c'est bon, tu me dis quand c'est bon. Vas-y, 3, 2, 1, go. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question, madame, s'il vous plaît? Bonjour, bien sûr. Merci. Si le maire devait supprimer un des quartiers de Los Santos, lequel serait-il? Lequel? Bonne question, il y en a beaucoup. Donc, un du sud, je pense, mais lequel je ne sais pas vraiment. On vous laisse le temps. En vrai. Salut Jumper. Je ne sais pas trop en vrai là, lequel. Je pense celui de la Colina. Celui de la Colina? Au hasard, celui de la Colina. D'accord. Vous pouvez élaborer pourquoi? Bonne question. Parce que vous m'avez posé la question, je ne sais pas. Vous n'avez pas? Je ne sais pas. Attends, coupe. On va refaire. Elle est pas prête. C'est pas grave. Surtout au vu de la question. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Tu peux aussi dire le poste sud de Mission Rose, ça ira très bien. Hein. Vous avez le droit de... Mais vous pouvez dire n'importe quoi. Vous avez le droit de dire aucun, hein. Attention. Hein. C'est pas pour vous mettre au porte-à-faux. Hein. Il faut que tu dises ce que tu penses. Vraiment, vous dire ce que vous pensez. Hein. D'accord? D'accord. On est reparti? Je pense que je vais dire aucun. Bon, allez, c'est reparti. C'est bon pour toi, Hope? Yes. Allez, bah, je vous laisse faire comme si vous avez posé la question. Lequel serait-il? Aucun, du coup. Pourquoi donc? Sinon, je pense qu'en d'une, on aurait plus de travail et il faut bien que les gens puissent y vivre. Hein. Tout le monde d'accord. a le droit d'avoir un chez eux, on va dire, confortable. Oui, d'accord, c'est valable. Merci beaucoup, madame. Bonjour, monsieur. Donc, du coup, pour vous, lequel serait-il? Pour moi, ça serait Rockford Hills. Pourquoi donc? Parce que c'est un quartier de riches. Et que les riches dans le Santos ne savent pas faire entre guillemets la différence et se croient supérieurs à tout le monde. Donc pour changer, bah, que ce soit les riches qui payent un peu. D'accord, bah écoutez, votre réponse aussi est valable. Je vous remercie à tous les deux d'avoir participé au micro-trottoir. C'est à vous. Bah, merci à vous. Et merci. Rien. C'est bon. Bon. Yes. Merci. Merci. De rien. Bah voilà, c'était fait. Oui, allô. Et dans la boîte. On va essayer. Oh, tu sais quoi, il m'a montré qu'il y avait un campement des hippies. Peut-être on peut aller les voir. On peut aller voir là-bas. Vas-y, par contre, il faut qu'on fasse un dernier parce que là il y a trop. Vrai, pas vraiment. Il y en a trop. Pas vraiment, mais je pense qu'il va devoir. Il faut pas que ça dure longtemps d'avoir des agents. Bah, merci beaucoup. À plus tard. Bah, de rien. À plus tard. Bonne soirée. Bon courage. Bonne soirée. T'inquiète. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Là. Allez, hop, allez, hop, 1, 2, 1, tu peux le faire. Allez, vas-y, prends ton temps. C'est bon. Let's go. Tu peux me mettre un point? On va... Ah oui, oui. Faut aller au diner. Ici. Oui, voilà. C'est plus rapide. Ça craque. C'est bien, on en a plein. Hein. Ah ouais, là franchement, on a du coup fait un bon truc. Ah c'est cool. On aura bien bossé, hein. C'est clair.
drapeau. Et toi, Selena, ça va? T'as passé un bon début de soirée? Oui, oui, bah, de réunion, réunion, papier, 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 réunion, hein. Wouh! Ouais! Wouhou! J'avoue, ça m'a fatigué, mais ça va. Ouais, bah, forcément, ça fatigue, hein. Le fait de faire marcher là, mes méninges H24, au bout d'un moment, on le fait tout. Ouais, et puis je vais faire un article, j'ai fait l'article, je l'ai posté. Ah oui, t'as fait la totale, toi! Oui. Ah, bon. Donc, c'est bon, c'est normal, il faut. Là pour faire tourner l'entreprise, hein. Il faut pas aller. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ouais, personne, hein. Dommage. Tant pis. On va essayer. Bah oui. Ça te dérange pas de me déposer au Weasel, moi, du coup, faut que j'y aille. Vas-y, vas-y, je te dis. Merci. Moi aussi, comme ça, je pense que voilà, c'est très bien, les filles. Vous gérez. Prends ton temps pour le montage. Vous gérez. Et prends ton temps pour le montage, t'as pris. C'est trop chouette en tout cas, moi j'ai trop apprécié. Hein. Aussi, vous amusez, c'est le principal. La prochaine fois, c'est moi qui filme et c'est elle qui pose les questions, comme ça on fait un coucou sur deux. Mais let's go. C'est parti. C'est par de là, comme on dit. Et du coup, Selena, tu voulais pas faire un format combini? Oui, c'est possible. Après, ça serait bien, non? Des personnes, il faut aussi venir vers nous s'ils en veulent. Alors, on pourrait faire déjà des personnalités de la ville, les chanteurs de la ville aussi, ça peut être cool. Bah ouais, moi je pensais au rap, peur et tout. Ouais. Et ça, oui. Faut voir ça avec le Rockford, de quel artiste ils ont disponible pour ça. Oui. Après, ouais, c'est du montage, donc c'est un peu long aussi. Oui. Ouais, ça peut être sympa à faire. Et d'ailleurs, j'ai vos contrats, donc avant que vous partez, signez les contrats et voilà, vous échouez. Ah oui, 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 tout d'accord. Vas-y, ah, t'es et t'as vu pour les primes? Alors, pour les primes, c'est en fonction de ce que les actionnaires voudront. Toi, moi, j'ai droit de mettre une prime par semaine à un employé. Oui. Et les actionnaires, s'ils veulent mettre des primes, qu'ils voient que les personnes travaillent bien, ils peuvent les mettre. D'accord. Des primes en plus du salaire de base ou c'est... Enfin, c'est un salaire de base. Ah, la prime, c'est un salaire de base. Non, c'est en plus. Ah, c'est en plus. Ok, d'accord. Bah, c'est de base, là, ouais, exemple, mais je sais pas, je crois qu'on a trop d'images. Hein. Les trois, bon, on se décide qui a bien travaillé cette semaine. Donc, après, on a essayé, ils ont pas voulu changer. Moi, je peux en avoir une pour soi. Même si je suis actionnaire. Ah, oui, tiens, parlons d'actionnaire, s'il te plaît. Tu le connais, toi, Roy? Oui. Ben, tu sais, il m'a demandé de faire une interview. Oui. Parce que comme quoi, il y a des gens qui font des coupons. Oui, bah oui, parce que je devais le faire pour lui, mais j'ai pas. Oui, mais moi je peux pas, hein, j'arrive pas à trouver les. Enfin, c'est pas que j'arrive pas à trouver les infos, mais il faut que j'aille voir les YGs. Et j'ai pas envie de me faire mettre dans la panade. Mais le problème, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas aimé qu'il a fait, Roy. Ouais, il fait quoi? Il a dit que ben, les gens qui allaient acheter des coupons, il leur ferait payer 1 000 $ en plus. À chaque fois qu'il ferait une réparation. Et du coup, j'ai réussi à lui faire promettre que non, mais il faut que je fasse l'article. Mais franchement, j'ai pas envie, hein. On pourra détourner l'article, mais oui. Je vais essayer de me renseigner. C'est normal parce que les personnes montent des coupons et, par exemple, si c'est pas le patron ou que c'est les autres employés, ils voient ça, bah ils le font, tu vois. Bah oui, mais c'est vos patrons de mettre un message en disant il n'y a pas de coupons, les gars, prenez pas. Ouais, je vais voir ça avec Roger, c'est déjà. Ouais, parce que c'est un peu bizarre quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il fait pas de la communication sans ton équipe, c'est pas notre problème en fait. Merci. De rien, moi aussi. On va signer contrat. C'est où les contrats? Tu veux qu'on aille dans le bureau? Non, non, venez ici, si vous inquiétez pas, je les ai sûrement. D'accord. Hop, le tien. Merci. Signer et je vous me l'ordonner, vous le dupliquez et vous me le donnez. Bon, hop, tu me l'ordonnes. Ou je te pille dans tes poches si tu veux pour pas avoir de problème. Pas de soucis, t'inquiète pas. Tiens, normalement t'es signé. Ok, tu l'as pris un duplicata ou pas? Oui. Bah, let's go. Tu vois, tu l'as, hein. T'es sûr, tu l'as papier. T'es bon, t'es tout le papier. A plus tard, hop, tu m'appelles si t'as besoin. A plus tard, Selena. Allez, à plus tard. Salut. Merci, tu viens. Des bisous. Bisous, tiens. T'as pris un double ou pas? Tu veux que je te fasse un double?
Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il veut, Sam? Je vais rappeler Kurt. Il répond pas. On va créer notre Insta, hein. On va y arriver à force. Attends, on va aller dans le parc. C'est pas, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est trop mal. C'est trop pifounette. Alors. Comment on peut se poser? Comme ça? Attends, c'est pas chez... Non, c'est pas chez... C'est... R. C'est un peu trop. Attends, on va faire F7. Ah, mais j'ai le truc du weasel. Fuck. Attends, je vais l'enlever. Ok. Dommage, on voit pas bien l'oiseau parce que je voulais faire une... un truc propre comme ça. Non, vaut mieux... Elle a l'air hautaine en fait, ça m'énerve. Excuse-moi, Bobby, t'es occupée? Non, non, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une dernière personne qui m'a appelée suite au tweet qui voudrait faire le micro-trottoir. T'es chaud ou pas de, Allez, faire let's avec go! Moi c'est parti! Je vais au baume mulet là, du coup, autant le faire là-bas. Allez, let's go, on y va! Allez, vas-y, à tout de suite. À tout de suite. Oh, mais c'est trop bien! Mais il est trop bien ce parc par contre, hein. Oh le petit oh là là, mais il y a tellement moyen de pouvoir faire des photos. Non mais c'est dingue, il est dingue ce parc. Il est trop dingue, je suis trop fan. C'est une sonnerie de téléphone et en fait je l'avais mis sur Spotify. J'ai trouvé sur Spotify pour la mettre sur mon iPhone. Incapable de le faire. Incapable de transférer la musique. Je suis dégoûtée. Je vois pas iPhone comment tu peux mettre des musiques toi-même. J'ai pas réussi. Je dois être débile. Salut Nour, comment tu vas? La fin? Salut Elissa, comment tu vas? Ah bah c'est par là. Thank you.
Merde. Non mais je peux pas passer. Voilà. Oh putain, le léopard, c'est atroce. You're too sweet for me. Attendez, je vais juste faire une pause de 5 minutes, faut que j'aille pisser, je n'en peux plus. J'arrive. Désolée pour l'attente. Sweet for me. Bon, on va quand même créer. Alors, on a dit Bobby les potins. Ah, ça marche pas. Oh non. Comment on pourrait faire? Ça marche pas. Bobby potin, je mets. Ça marche pas. Oui, j'ai validé ta proposition, mais ça rentre pas, je suis gavée, j'avais pas fait gaffe. Donc faudrait trouver autre chose. Et ouais. Bobby le potin, ça marche pas. Bobby et potin, je mets. C'est trop long. Ouais, c'est trop long. Et potin, ça marche. Bobby et potin. Mais ça fait bizarre, non? Créer un compte, non? Bah, c'est ce que j'essaye. Mais je voudrais mon nom d'utilisateur. Je voudrais que ça soit le... Tu vois? Genre, je voulais que ça soit Bobby les potins. Mais ça marche pas parce que c'est trop grand. Bobby, l'épée, les pots, les potis, potins de Bobby.
Je sais pas, je crois que c'est pareil. Hein. Ah, je peux pas mal le. Oh putain, fait chier. Bon, tant pis, je vais l'appeler Fashion Bobby. Ça fait chier parce que c'était pas ce que je voulais de base, mais. Fashion Bobby, ça marche. Par contre, on peut pas mettre de majuscules. Ça passe, non? Bobby News. Ouais, mais non, parce que c'était vraiment pour les potins et la. Et la. En Babix pour créer. Ah merde, pardon, heureusement t'es là, je suis débile. T'as tellement raison. Moi je dis non, ta gueule meuf, juste ta gueule. Moi, hein, moi ta gueule, hein, Elissa, pas toi. Hein. Qu'est-ce qu'on met? On met Fashion Bobby? Fashion Bobby, ça passe, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ou pas? Je sais pas. Hein. Rien, je réessaye Bobby les potins. Non, ça marche pas. Après, dit que les modos ils comprennent rien, gna gna gna. C'est le karma, ça. Qu'est-ce que je mets? Je mets fashion potin. Ah, attends, fashion potin? Ouais, mais fashion potin, c'est pas ouf, quoi. Fashion Bobby, allez. Fashion Bobby, je fais. Ça passe ou pas? Dites-moi, j'ai trop besoin de votre avis. Je suis nulle pour ça, moi. Yes, ça le fait. Elle me répond pas. Elle est prise en otage ou? On pourra plus jamais changer, les gars. Hein. Bobby le potin. Ouais, je sais, Mina, mais ça passe pas. Ça passe, oui. Oh, Badak, je t'emmerde! Bobby et potin tout attaché. Ouais, mais le problème, c'est que Bobby, ça s'écrit B-O-B-I, B-B-I-E. Bobby, potin. Potin, ça a deux T? Potin, ça a deux T? Potin, non, ça a qu'un seul T. Je veux tous mettre deux T, là. Ou le tri, potin. Ah ouais, ça peut être pas mal. Bobby, trois potins. Pourquoi trois? Bobby, tripotin. Ah, pour le trois, mais oui. Trois comme three. Oui, non, mais j'avais compris. Non, mais c'est moi qui suis débile, meuf. Je sais pas. En anglais. Non, mais c'est moi, excuse-moi. Enfin, je dis meuf, mais je sais même pas si c'est meuf, mais oui, t'as compris, quoi. Moi, je vois plus de la mode quand tu dis fashion. Ben ouais, je sais. Mais après, c'est un peu ce qu'elle veut faire, faire de la mode et des potins, tu vois. Salut Cyprien. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait plaisir, toi. Chat, ils font de la connerie. Bobby Potin, du coup, est-ce qu'on met un tiré comme ça? Bobby Potin. Ah ouais, ou sinon, elle a raison. Bobby Tripotin, ça passe, hein. Comment qu'ils vont bien? Mamba, ça fait trop plaisir de voir. Voici potin. J'hésite entre Bobby Tri comme ça, potin. Ou sinon, je fais Bobby Potin. Mais je peux pas mettre de P majuscule. Attendez, je sais ce que je peux faire avec un emoji. Hop. Déjà, hop. On fait CTRL-V. Merde. Copie. CTRL V. Et le P, ça marche ou pas? Non, merde. Putain. Ça fait bien ça ou pas? Ouais, mais personne ne me trouvera parce que c'est des emojis. Que c'est les couilles. Salut, exotique, ça va? Bon, Bobby. J'y arriverai pas. Je vous jure, ça me casse les couilles. Salut, la croix. Bobby Potin.
Non, je sais pas, ça m'énerve, je sais plus, ça m'a saoulé, je trouve pas de mots. Bobby Trilépotin, c'est trop long, c'est trois fois trop long, je peux pas. Justement, Bobby Lépotin, ça marche pas. Les potis. Bobby Tripotin. Tout ça pour un pseudo. Mais ouais, mais c'est hyper important, d'accord? C'est hyper important. Donc je sais pas. Donc, je crois qu'elle s'est faite fait PO, hop, hein. Tripotin quoi? Mais ça, c'est fini. Bon, allez. Bobby Tripotin. Voilà, c'est bon. On a gagné. Voilà. Trois potins. Ouais, mais les gens, ils m'ont dit très potins. Ah, ça m'énerve. C'est quoi, Bobby? Voilà. Et voilà, tant pis. Ça sera Bobby. Et c'est tout. C'est bon, ça m'a saoulé. Ça m'a juste grave saoulé. Ça m'a trop saoulé. Donc tant pis. Il y aura pas de voilà, il y aura pas de jeu de mots, voilà, c'est pas grave. Tant pis. Bon, on va mettre une photo maintenant là. Tripote moi. Ah non, ça va trop loin là. Il y a pas moyen que je mette une photo. Alors attends. Nanana. Ah, tu peux mettre l'URL quand même. OK. On va mettre la toute première photo que j'avais faite la dernière fois. Copie. Ctrl V. Suivant. Hop. Suivant. Petit moment bucolique dans le parc. Poste. Bon bah je crois que... Elle a die hein, hop. Je sais pas comment je fais pour changer ma... Attends. Y'a pas un paramètre quelque part? Oui mon chat. Oui mon amour. Ça y est, on te voit? Un peu? Modifier votre profil. Ah, on peut changer le nom. Avant, on pouvait pas, je crois. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est fini. Hein. Foutu pour foutu. Hein. M'a jamais rappelé. Elle a dû se faire péter. Elle a dû se faire péter. La vraie star du live est arrivée, Peanut. Mais oui, mais elle... Elle s'est mise sur le côté. Attendez. Voilà. Oh,